thank <laughs> you de Radio Athéna. Euh, j'ai l'honneur, le privilège et le plaisir de recevoir un ami en la personne de Christian Van pour ce quartier libre de Radio Athéna. Alors j'ai le plaisir en outre d'être assisté par la charmante Victoire Bétis. Bonsoir, Bonsoir. Victoire. Euh, d'être aidé également par euh, Thierry Marin. Bonsoir. Pierre de Tirmont, peut-être, qui fera euh, irruption dans l'émission tout à l'heure, mais qui est là. Euh, et puis, euh, l'émission est réalisée par Jean Laporte, euh, qui, euh, qui euh, a le droit de s'exprimer euh, pour donner son opinion sur tous les sujets que nous traiterons. C'est si Christian Vénès le permet, parce que Christian c'est un assez autoritaire, il faut le dire. Oh, pas du tout, je suis un grand libéral, vous le savez bien. <laughs> Alors, euh, mon sujet, notre sujet. C'est l'identité, l'identité en péril, que faire Et évidemment, euh, je traite de ce sujet parce que, euh, parce que euh, Christian Vanesse a fait un beau livre. Quand je dis un beau livre, euh, oui, euh, c'est d'abord un beau livre parce que, honnêtement, euh, il abonde en citations, si je puis dire. Enfin, en citations qu'on pourrait faire de vous, de, de phrases bien tournées, fortes, puissantes. Euh, vous écrivez bien et vous avez, le sens, loges, de, vous avez le sens de la formule. Oui, alors l'éloge sera aussi mieux compris quand vous parlerez à 2 cm de bien, bien, bien. Et, et donc, donc, sur ce sujet profond, philosophique, politique, métapolitique, euh, qui s'appelle l'identité, Christian Van a écrit un livre majeur. Alors bien entendu, vous me connaissez, j'ai un peu l'esprit de contradiction, donc je serai amené euh, à lancer quelques banderies sur le taureau que vous êtes. Mais euh... c'est ce que j'attendais avec euh, <laughs> concupiscence. Bon, alors évidemment, l'identité, euh, elle, est, elle est individuelle, elle est nationale, elle est euh, civilisationnelle, l'identité occidentale. Et comme nous sommes quasiment au lendemain, enfin une semaine après les élections européennes du 26 mai 2019, que j'ai le bonheur euh, de réunir autour de cette table des experts en politique et d'abord euh, le premier d'entre eux, Christian Van Est. Nous allons euh, dresser le bilan des élections européennes en France et à l'étranger. Alors, une, une petite annonce avant le début euh, concret de l'émission. Je, je remercie les auditeurs qui sont présents et je vous appelle, s'il vous plaît, à premièrement vous activer la clochette en bas de la vidéo. Euh, comme ça, vous recevrez voilà, les Ne soyez pas cloche, activez la clochette. Et, et, et très important aussi, euh, mettez un pouce bleu sur la vidéo en direct, ça permet de nourrir l'algorithme et d'amener encore plus d'auditeurs pour écouter Henri Lesquin et Christian Vanesse. J'allais le dire, tu vois. Je vais bien le pied. dire. Voilà, merci sur la porte. Donc voilà, pouce bleu et, et clochette. Hein euh, et frère de ne pas mettre des pouces rouges, parce que ça, ça, ça sera très méchant. Hein on retrouve et on bannit. <laughs> ça. Alors, des pouces bleus et des clochettes. Hein euh, pour développer Radio-Athéna, et puis bien entendu, si vous voulez dé développer Radio-Athéna, il faut que vous l'aidiez à euh, développer sa technique et, et ses moyens financiers par conséquent. Donc allez sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3 E, -E, -E 3E, et tapez Radio-Athéna euh, pour nous faire le don le plus généreux possible. Il n'y a pas de limite, euh, maximum, hein, genre la porte. Hein. Un million d'euros, euh, c'est acceptable. Oui. Voilà, bon. Alors bon, euh, c'est peut-être pas dans vos moyens. Si vous avez un million... Si vous avez un million d'euros euh, à consacrer à une, une œuvre de allez-y. Mais bon, acceptons, il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite pour Radio Athéna. Alors, euh, plus sérieusement, donc, euh, avant de parler de l'identité en péril. Nous allons parler des élections européennes en France et à l'étranger. Permettez-moi euh, d'introduire le sujet peut-être, Christian Van Est. Je euh, pourrais bon, peut-être introduire le sujet en vous présentant, parce qu'après tout, euh, on dit toujours, c'est pas la peine de vous présenter, parce que vous êtes bien connu. Oh. Euh, vous êtes, vous, alors vous êtes quand même nationalement connu, euh, sinon universellement connu, depuis l'amendement Van Est, l'amendement Van Est qui a défrayé à la chronique, où euh, Jacques Chirac, alors président de la République, vous a fait un euh, tour de cochon, si on peut dire. Hein. C'est le euh, terme. Oui. Alors, alors, vous avez fait un amendement, c'était en 2004, euh, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, mmh. 2004 euh, qui, consistait, alors expliquer qui consistait à demander à l'Éducation oh, nationale de. C'est très simple, il s'agissait d'un texte euh, de loi qui, qui visait à acter la reconnaissance envers les rapatriés. Voilà. Euh, et j'avais pensé qu'il fallait introduire dans, dans ce texte l'idée que ce qu'avaient fait les expatriés français euh, avait eu quelque chose de positif que le rôle de la france dans les territoires d'outre-mer avait été positif et que en contrepartie d'ailleurs les ressortissants euh, des territoires d'outre-mer euh, étaient venus aussi se battre pour la france donc que c'était en quelque sorte un équilibre qu'il fallait reconnaître euh, et j'avais pensé assez naïvement que ce genre, ce genre d'éducation allait permettre de, de fonder une communauté nationale, aussi bien faite des Français métropolitains que des rapatriés pieds noirs ou arquis par exemple, mais aussi euh, des petits-fils euh, euh, d'immigrés qui euh, auraient combattu euh, euh, dans le passé, euh, au sein, par exemple, de l'armée de Latre. Voilà, c'était d'une naïveté totale, euh, parce que l'ambassade d'Algérie... Ça, ça, ça tombé sous le sens. L'ambassade la, la, d'Algérie a, a évidemment réagi très vivement contre cet amendement, euh, qui a été voté... Ingérence. Quatre fois, qui a été voté quatre fois. C'est curieux, quatre fois. Il a été voté une première fois... Euh, lors de la première lecture de l'Assemblée, ce qui n'est pas étonnant. Il avait voté, été voté une seconde fois lors de la seconde lecture. Entre deux, il avait été voté Alors, au je... Sénat. Bon, donc... Et enfin, je termine. Une motion socialiste a été archi battue. Il a été donc voté une quatrième donc fois. Donc l'amendement Van Est demandait que l'on enseignât aux enfants des écoles la fierté de. Le, le, rôle, le, positif le rôle positif de la, de la présence de la France outre-mer et la place éminente des militaires, des soldats issus de l'outre-mer dans la libération de notre pays. Voilà. Alors, cet amendement Vaneste. alors je vais vous dire. Du point de vue juridique, qu'il était, à mon avis, en contradiction avec l'article 34 de la Constitution. Oui, bien sûr. C'est comme ça il il était il du est domaine est réglementaire coup, et, tout pas, tout fait, oui. et pas du domaine législatif. Oui, mais alors, mais je, il je, était bien intentionnel. Je, je me permets tout de suite de, de faire une objection euh, <rire> <rire> qui est très simple, c'est que non, je, bizarrement, je vous, je vous taquine. Bi non mais bizarrement, il <laughs> y a une autre loi qui est la loi Tobira, non pas sur le mariage euh, homosexuel, mais sur euh, euh, la, la reconnaissance de, 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 de l'esclavage. Eh bien, là, il n'y a pas eu de problème. Il hein. y a bien. L'amendement. Le, 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 la, loi, la loi Taubira implique qu'elle soit enseignée dans, dans, les, dans les lycées. C'est-à-dire dire qu'on se moque complètement été... de l'article 34 de la Alors, Constitution. Permettez-moi d'ailleurs euh, de faire une parenthèse euh, anecdotique, euh, puisque vous savez que Mme euh, Schiappa euh, vient de vouloir. d'exprimer de, le souhait que fût porté à 50% le taux de femmes dans, toutes les, dans, dans tout, tous les groupes. Alors, euh, nous avons fait sur euh, le compte euh, Twitter des JL, Jeunesse Fiskaniste, euh, un billet qui disait que nous proposions euh, de porter à 50% le taux de femmes dans les, euh, dans les couples mariés. Est-ce que vous avez compris le, oui, oui, la bien. subtilité de la proposition Oui, oui Très bien. Hein <laughs> Ce qui revient à supprimer le mariage homosexuel, <laughs> effectivement. C'est amusant. Il voilà. fallait y penser. C'est logique quand vrai, même. C est, c est bon, revenons, euh, revenons, à nos moutons. Donc là, alors là, alors bon, parce que quand. Même, dit, là... Cela dit, il y a un moyen de vous contrer. C'est lequel bah, c'est avec le, les couples lesbi les, de lesbiennes vous aurez plus de femmes de, de, ah, du côté okay. lesbien. Et donc, ah, euh, oui, là, 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 là euh, euh, je suis désolé, euh, mais tout s'est euh, coulé. Euh. Euh, si c'est 50% minimum, euh, et bah pas oui. 50% tout court, effectivement, ça n'est pas une objection contre les couples de... Si de, vous n'aviez de que des couples, que des couples homosexuels masculins, vous, vous, vous auriez 50%. Bon. Eh oui, c'est vrai. Euh, ah non, dans, dans chaque couple, bien entendu, pas globalement. Dans chaque couple, il fallait, évidemment, on bah, va préciser. <laughs> Coupe par couple. Alors, ouais. euh, non, revenons à nos moutons, c'est-à-dire ouais. euh, l'amendement Van Est, avant de parler des élections européennes. Euh, donc, l'amendement Van Est, qui tombait sous l'évidence, euh, qui, qui était inspiré par euh, le désir de, de glorifier l'histoire de France comme il se doit. Et et qui avait De sous, manière sous très modeste, d'ailleurs, très prudente, ouais. très équilibrée. Euh, a été censuré par Jacques Chirac, on se demande pourquoi, hein, euh, et ensuite... Euh alors ensuite, le Conseil constitutionnel s'en est mêlé, je crois, il me semble, non Non, non en fait. Euh... Non, Jacques Chirac, Chirac n'avait le pas les moyens de censurer. Il, a, il, a il, ne, le pouvait, le il ne pouvait censurer qu'en saisissant le Conseil voilà. constitutionnel et, en tant que président de la République, ce qu'il pouvait faire lui. Et en lui disant, euh, en lui disant de. Et le... et le Conseil constitutionnel lui a donné raison, effectivement. En et il avait raison, d'ailleurs, parce que l'article 34. Ah, sur dit, le plan, plan strictement juridique Oui, on est bien d'accord. Mais, mais à ce moment-là, le nommé Jacques Chirac aurait dû demander à son gouvernement de faire un décret pour reprendre la disposition en question. Voilà. Absolument. Alors, euh, c'est un point important, puisque nous allons parler de l'identité nationale, euh, nous allons parler évidemment de l'histoire de France, et euh, je, je trouve d'ailleurs Jean-Christian Benoist extrêmement modeste, parce que la France a eu deux empires coloniaux, le, le premier s'est écroulé au XVIIIe euh, siècle après euh, la guerre de Sept Ans, qu que nous avons perdue contre les Anglais, euh, le second euh, s'est dispersé, sinon écroulé, après euh, 1958, euh, mais euh, cette euh, histoire d'un siècle, euh, et même plus d'un siècle, puisque la conquête de l'Algérie c'est 1830, euh, est à mon humble avis euh, une page d'histoire dont on veut être particulièrement fier. Alors on peut toujours dire qu'il y a eu euh, des éléments euh, moins glorieux, mais les pays colonisés ont tiré de notre colonisation un immense bénéfice. La population des pays d'Afrique noire que nous avons colonisés serait de 10% ce qu'elle est sans la colonisation. C'est-à-dire que les 9 dixièmes des Noirs d'Afrique qui sont vivants aujourd'hui ne seraient pas vivants sans la France. Essentiellement parce que l'œuvre voilà. coloniale française, la, la meilleure, la plus honorable, c'est l'œuvre médicale. Oui, Il y a, y a, y a eu des médecins extraordinaires mais, non, qui ont non, littéralement non, sauvé des populations. Essentiellement, oui, bien sûr bien sûr vous rappelez, je pense je... à maillot, par exemple en, en euh... algérie pour le paludisme. C'est Maillot, vous avez cité un autre C'est oui, il y en a un autre. autre c'est Lavran, la, Lavran, Lavran. qui Lavran, a trouvé Lavran, le bacille à la Constantine. Oui. Il a prix Nobel de médecine, mais il a, sa découverte, c'est à Constantine. Oui. Or, Alors, Alors, l'Algérie la, la la, était complètement. La France euh, a fait énormément ce, pour la santé, mais pas seulement. Elle a pacifié d'abord mmh. des pays qui étaient ravagés par la guerre euh, en Afrique. Et Moire, par l'esclavage. Et par l'esclavage. au travail de De Brazza, par exemple, sur la protection des routes. Elle a développé l'agriculture. Donc, honnêtement, ces gens-là nous doivent tout. Et c'est le complexe, c'est ce qu'on appelle. Tout, c'est excessif pour les lecteurs, mais beaucoup. Ils nous doivent presque tout, <laughs> euh, et euh, c'est là que s'applique le, 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 ce qu'on appelle le complexe de Périchon. ceux qui ont écrit, ceux qui ont lu La Biche comprennent. Qu euh, C'est-à-dire que euh, on en veut à ceux qui vous ont rendu service. Ah oui. euh, -ce, on peut aussi citer Jules Renard qui a dit, euh, qui a fait dire à ses personnages :« Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai jamais rendu service à personne. » Donc là. Bon, euh, alors, Moi je cite ma femme dans ce cas-là, qui me dit tout, toujours les, les gens ne vous pardonnent jamais le bien que vous leur faites. Bon, bah, C'est une phrase, non, une, phrase euh, une idée classique, mais malheureusement terri terriblement. Euh, euh, ter terriblement. Euh, non, je n'ai pas de, de son dans les oreilles. Euh, euh, si, pas, pas beaucoup en tout cas. Euh, mais peu importe, j'entends quand même à peu près. Oui, là, ça va. Euh, donc. Euh, euh, moi j'insiste sur le fait que euh, la France, les Français doivent être très fiers de euh, leur euh, œuvre coloniale et que Jules Ferry notamment euh, est un grand homme. Vous savez ce qu'il a dit, Jules Ferry Vous vous rappelez la phrase de Jules Ferry Très bien, très bien, très bien, très bien. Vous n'étiez pas né, ah, moi pardon. non plus. En il 18... y, y, y a un mot, il un mot, il euh, un mot qui malheureusement condamne euh, cette phrase. Euh, rien ne condamne cette phrase, <laughs> sauf pour les les gens qui sont un peu effarouchés par les mots vrais, et justes. Jules Ferry en 1885, je crois que c'était en juillet, il me semble que c'était le 29 juillet, mais je ne le garantis pas, est monté à la Chambre des députés et il a dit ceci. Euh, vous trouverez ça sur le site lesquin.fr et sur le site, site natlib.fr, cette phrase célèbre, euh, qui devrait l'être encore plus. « Les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. » C'était pas du tout méchant. c'était. Ah, ah, C'est une phrase que je ne prendrais pas à, à euh, mon compte. Euh, moi, je la prends à mon compte je complètement. Sais bien, je je l'admire complètement. J'admire Jules Ferry, qui est pourtant franc-maçon, très anti etc., qui a beaucoup de défauts. Mais qui euh, a quand même réalisé une œuvre éducative non négligeable, bien qu'elle fût orientée ou salie par la, euh, son côté anticlérical. Euh, mais en ce qui concerne l'œuvre coloniale de la France, il a, il a bien, il a bien situé les enjeux de cette euh, œuvre civilisatrice. Nous avons apporté toutes mais, sortes mais, de choses, dont la langue française. Henri, -Henri Lescain, vous, vous savez bien que ce qui nous sépare un peu, c'est que personnellement, je, je ne parle jamais. Euh, des, des inégalités raciales, mais en revanche, je parle des cultures. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'une culture, une civilisation a acquis un, un potentiel euh, supérieur, ne serait-ce que par sa puissance technique, euh, tout naturellement, elle va, elle va coloniser. Et c'est vrai depuis, euh, depuis euh, les Grecs jusqu'à jusqu aujourd'hui. Les, 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 les civilisations, d'ailleurs, les plus, les plus puissantes résistent à la colonisation. Regardez ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine n'a jamais été colonisée, en fait. Elle a été bah touchée, l a, l a, envahie, mais elle a toujours résisté qui a parce été... qu'elle avait alors, l'Inde a été, colonisé la, deux la, la, a été euh, colonisée deux fois, euh, Allez, par les bah, musulmans d'une part et les par. C'est euh, exact. Vous avez tout à fait raison, alors que c'est une civilisation puissante. Le problème de l'Inde, c'est sa division euh, ethnique, euh, culturelle, avec plusieurs langues, et aussi sa, sa division bon. politique. Elle n'a jamais affronté l'adversaire euh, en étant manière. unie, donc elle était faible par rapport aux adversaires. Voilà, heureusement, avec Narendra Modi, les choses ont changé. Bon, pas, oui, de, oui, pas mais pas intéressant. <laughs> le, attendez, Narendra Modi, c'est le premier ministre de l'Inde qui vient de. de, de, de que Génie, pour moi, c'est le plus grand homme d'État existant. Nous euh, sommes d'accord. Il est prodigieux. Nous, nous, nous il sommes d'accord. Prodigieux. Car l'Inde est le pays le plus... Le plus un milliard cents ou 300 millions d'euros. Pour arriver de à ans. diriger ça, ça euh, C'est le pays hein. le plus ouais, compliqué à ouais, gouverner ouais. dans le monde. Le plus hétérogène. Bon, passons, revenons à la France et à l'Europe. Alors, Vous euh, savez qui l'a conseillé, euh, Maudit, au début Non. Ah, il a, il a eu la chance de, de rencontrer tout à, tout à fait au début euh, le fondateur de, de, de l'État actuel de, de, de Singapour, ah, Yew. Et oui, c'est lui euh, qui lui a donné sans doute cette, ce sens alors, du gouvernement qui pour moi est, est le modèle parfait. Vous savez quand même quelle est l'origine de, 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 de Narendra Modi — Oui, bien sûr. C'est un, 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 un intouchable, en fait. Un ah peu non, pas intouchable. Non, non, il n'est pas intouchable. Il, 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 y a, il appartient à une caste relativement inférieure, mais il n'est pas inférieure, intouchable. Voilà, — Inférieure, voilà. Ah oui, mais c'est pas vrai. Il y a une grande différence entre les... — Oui, je sais. Vous avez raison. Bon. — Non, non, c'est enfin, pas grave. — en là, tout vous... cas, il vient vraiment des castes les, les plus basses. — Non, mais vous ne savez pas. C'était un militant du RSS. Alors, ah oui, le oui, RSS, RSS oui. c'est le Rashtriya. Palais de sa politique. parlez de sa Soyam politique. Sevak Sang, euh, et alors, j'ai donné cet exemple un peu comique. Imaginez, pour, ceux le le, ah, le un pour, pour ceux qui connaissent le petit mouvement Civitas. C'est un mouvement extrémiste. Pour ceux qui connaissent le petit mouvement Civitas en France, c'est un petit mouvement théocratique. Euh, imaginez un Civitas hindou, et non pas catholique, avec 30 millions de militants au lieu de 300 militants, mmh. et avec une doctrine puissante au lieu de euh, poncif-poussif. Vous avez RSS, voilà. <laughs> <de l 'RSS. rire> Est-ce que vous avez remarqué le parallèle étonnant entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Inde euh, bah, euh, euh, les, les deux décolonisations non. sont faites par les, par les Britanniques, ça se fait dans la douleur, puisqu'à chaque fois, dans les deux cas, il y a une guerre intérieure, euh, sanglante dans les, dans, les, dans les deux cas. Euh, C'est un parti, dans le fond, de centre-gauche. Qui l'emportent pendant très longtemps, le, le Congrès ah en oui, Inde dire, et, le, et le Parti travailliste euh, en Israël. Et dans les deux cas, ce sont les extrémistes du début, c'est-à-dire les nationalistes du début, qui finissent par prendre le pouvoir. Ah. Le Likoud de Menachem Begin en, en, en Israël et bien sûr euh, le, le parti, le parti de, que Modi dirige, dirige actuellement, que le, le BJP, le le voilà, qui est le parti hindouiste nationaliste. Alors, les, y a... Un parallèle qu'on peut faire aussi, qui est un parallèle religieux, c'est qu'il y a un point commun entre l'hindouisme et le judaïsme actuel, c'est le racisme. Ce sont deux religions racistes. Alors que le christianisme, l'islamisme, le bouddhisme sont des religions universalistes, l'hindouisme et le judaïsme sont des religions racistes. C'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas à toute l'humanité, ils s'adressent à une communauté définie par le sang. Vous voyez Ce sont deux religions racistes. Voilà. Et ce sont des elle... religions qui favorisent le nationalisme, disons. Non, non, ce sont des religions. Qui, non, conceptuellement oui. raciste, oui. non, 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 non. Bon, alors, ce n'est pas le sujet de ce soir, sinon ça va nous en mettre trop loin. Mais alors re revenons peut-être. Euh... Ben non, la, la, la... Nous avons fini sur la main de Mavanès, mais pour présenter quand même. Euh... Christian Van Est, il faut dire qu'il a été député de Tourcoing. Ne le dites pas Roubaix, hein, parce que là, il y aura une attaque. Hein. Oui, ce, serait, euh, ce, ce serait inacceptable. ne dites pas que Tourcoing Ça me à partir immédiatement. Que Tourcoing est dans le Pas-de-Calais c... -ce pas C'est dans le nord, attention. Hein. <rire> <laughs> sinon, il y aura une deuxième attaque. C est, c est alors, c'est un, un, un flamand. Qui est, euh, il a un nom flamand. Van Est, en fait, ça veut dire d'unis en flamand. Oui, hein. Absolument. Hein, je ne me trompe pas. Absolument. C'est vous qui me l'avez dit, sinon je n'aurais pas deviné. C'est un lieu-dit près de Courtrai. Vous savez, cette, cette ville de, de Courtrai où les Français ont été écrabouillés. Euh, euh, au, au début du XIVe siècle. C'est quand française. <laughs> ensuite, il y a une victoire dont j'ai oublié le nom. Oui, voilà, C'est moi qui euh, vous l'ai dit, ça. Euh, non, mais attendez, les Français, alors ça, c'est depuis. depuis ouais. euh, depuis euh, Isaac, euh, Isaac euh, on leur apprend les défaites et pas les victoires. Ouais, c'est vrai, euh, si c'est quand dites. même extraordinaire. Quoi. Qui connaît que... par exemple la bataille de Denain bah, C'est toujours une chose. Ah bah, a... un non, non c'est très même. peu connu. On euh, connaît beaucoup plus Valmy bataille. que Denain, alors que Denain est une bataille beaucoup plus importante que Valmy. Bien sûr. Oui, 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 Sur le plan, bien plan bien des, des, bien notamment sûr. du nombre d'hommes qui se sont affrontés, attendez, de la dureté des combats. Valmy, on sait très bien. Excusez-moi, mais dans l'histoire de France, les deux victoires les plus importantes, et nous parlons déjà d'identité nationale. Oui. Le plus important, sans, sans conteste, c'est 1. 732 poitiers. Mmh. Oui. C'est grâce à ça que... Je ne veux pas dire c'est grâce à ça que nous parlons français et pas arabe. — Et 1214 bovines. — Si vous étiez arabe, il n'y aurait pas eu de radio, il n'y aurait rien eu, etc. — Et la seconde, c'est bovine, non ?— Pas du tout. Non, le plus important, c'est 1453 Castillon. Car la bataille ah, de oui. Castillon en 1453 a fini la guerre de 100 Ans. C'est une victoire définitive sur les Anglais. Et, et personne ne connaît le nom du maréchal de France qui dirigeait l'armée française à ce moment-là. C'est André de Loéac. J'aime beaucoup le patriotisme. J'aime beaucoup le patriotisme parce qu'il est en train de dire, est en train de dire que cette bataille qui s'est passée. Euh, au Moyen Âge, euh, est, 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 une bataille, est une bataille définitive. Il a complètement oublié Waterloo, hein, complètement. La bataille définitive, je suis désolé, c'est Waterloo. Non, mais attends, une bataille définitive. Euh, ensuite, évidemment, les Anglais sont revenus plus tard. Mais, ah, oui. mais euh, ça euh, la, 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 la guerre de son temps s'est terminée euh, en 1453 par une, belle, très belle, une très belle victoire. Alors les les, les Français, on leur, apprend, on leur apprend à dénigrer leur passé, parce qu'on la guerre. C'est ce que j'appelle le complexe de, le, le, Je vous en ai parlé peut-être, le complexe d'Azincourt. Oui, quand on demande à un Français. Moi, si je me suis aperçu un jour, je me suis dit, mais guerre de 100 ans. C'est bien nous qui avons gagné la guerre de 100 ans, Nous, les Français, pas les Anglais, ils nous ont perdu. Or, si je pense rapidement aux batailles de la guerre de 100 ans, quelles sont celles qui viennent à l'esprit Crécy, Poitiers. Crécy, Poitiers, Azincourt. Prenez fête. Ouais, bon, alors on se rappelle vaguement que, quand même... Euh, quand même. Euh, Jeanne d'Arc a gagné à Orléans, mais l'histoire de Jeanne d'Arc se termine en 1461 sur le bûcher de, de Rouen. Or, en fait, les Français, on ne leur apprend pas à l'école les grandes victoires de Pate, Formini et Castillon, qui sont des victoires formidables. On leur apprend à Zincores, c'est vraiment. Je... Je crois que c'est une volonté de déformer l'histoire pour dénigrer le passé. Et si vous permettez d'ailleurs, euh, la bataille de Castillon, enfin les deux dernières, Formigny et Castillon, devraient être soulignées pour une raison très simple, c'est qu'on on, on dit que les Anglais, c'est vrai, ont gagné les premières batailles, notamment celle d'Azincourt, grâce à leurs archers. Oui. Mais les Français ont gagné les dernières batailles grâce à leurs canons. Mais, mais personne ne C'est-à-dire le que, les, que les Français ouais. avaient, avaient acquis une supériorité bien technique sûr. considérable sur les autres Européens. Mais on l'oublie toujours. Il y a une volonté de dénigrement de la France. On dit mais les Anglais c'était formidable, ils avaient, ils, avaient, ils avaient des arbalètes. Est oui mais on oublie de dire que les Français avaient des canons avant les Anglais. <laughs> alors c'était quelques dizaines d'années après, d'accord. Mais... Pas tellement d'ailleurs, 1415, euh, euh, d'un coup. Donc, euh, bon, non, non, c'est vraiment. Euh, euh, ce sont les frères Bureau, d'ailleurs, euh, qui, sous les ordres d'André de Loyac euh, ont écrasé. Euh, et alors, c'est encore pire. Si vous regardez un récit de la bataille de Castillon, on vous parlera du général anglais, du général anglais qui s'est fait tuer, c'est le nommé Talbot, qui est d'ailleurs un nom français, oui. mais, pas, mais pas du général français, c'est-à-dire d'André de, de L enfin, bon. Euh, oui, c'est fabuleux, quand même. Alors. Euh, Déjà, retenez bien euh, ce livre euh, de Christian Van Te dire ou la mort. J'étais en train de le présenter, mais de fil en aiguille, enfin plutôt de. Euh, mais je, je, retiens, je retiens un mot, un mot que vous avez employé, c'est le mot fabuleux. Je, je dis précisément dans, dans le livre, c'est le titre d'un chapitre en fait que, que l'histoire de France est fabuleuse. Fabuleuse, fabuleuse. Elle est fabuleuse. fabuleuse. Que c'est un, un véritable trésor, qu'il est dommage euh, de, de l'essor, de porter. De, on on peut dire des Français d'aujourd'hui. Ce qu'on on pourrait dire de tous les hommes, une phrase prononcée par un certain Bernard de Chartres au XIe siècle, qui a été répétée ensuite de nombreuses fois, notamment par Pascal. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Oui. C'est une phrase euh, qui exprime bien la reconnaissance que nous devons avoir par, pour nos ancêtres, hein, euh, oui. ceux qui ont fait la France, voilà, et qui ont fait l'Occident. Alors, donc, vous, êtes, vous avez été député pendant assez longtemps, euh, 15 ans, pendant 15 ans, 15 ans. Mmh. De Tourcoing, euh, député alors, euh, du parti euh, gaulliste ou pseudo-gaulliste qui, qui ne cesse de changer de nom, qui s'est appelé euh, RPR, UMP euh, et maintenant LR, avant de changer de nom, peut-être après le départ d'Evoquier. Oui, enfin, j'ai toujours euh, été un député euh, gaulliste. Voilà. Euh, re relativement rebelle par rapport au parti. Euh, alors, vous avez eu quelques ennuis parce que vous avez constitué la, <laughs> la coterie homosexuelle LGBT. Enfin, euh, vous n'avez même pas combattu. Vous avez dit des, des vérités qui ont été mal... mal par exemple, que les, les, les Allemands n'avaient pas déporté les homosexuels, Oui. Euh, ce qui est une vérité historique. Oh oui, — J'étais le seul les, à, les à les savoir, les, mais, malheureusement. — Mais pas les homosexuels. Euh, — Vous avez dit que les Allemands n'ont pas déporté. Si, les Allemands, si, en Allemagne. Hein, en mais Allemagne, il y a eu déportations, mais pas en France. — mais, mais Pas en France, pas en France. Pas en, France. Et en Allemagne, il vérifier. — J'avais même précisé pas en France, sauf dans ouais. les... Dans les départements rattachés à l'Allemagne, c'est-à-dire les trois départements d'Alsace-Moselle. En, en tout cas. Euh, mais, mais ça même, en fait, dans la deuxième étude qui a été faite, ça s'est avéré inexact. En fait, il y a eu très très peu de, de, de déportés en Alsace-Moselle, et les gens qui étaient internés en Alsace-Moselle étaient souvent des Allemands. Quant aux internés français pour des raisons d'homosexualité, en fait. Euh, C'était des gens qui se trouvaient déjà en Allemagne, notamment des prisonniers de guerre, ou bien, ou bien euh, aussi des déportés du travail des STO, euh, qui en fait souvent s'étaient livrés à des comportements plutôt de pédérastique que d'homosexualité, autrement dit, euh, s'étaient <coughs> livrés à des alors, actes envers les jeunes. Alors, alors, mais Donc c'est pas très euh, luisant. Et, et, et D'autant plus qu'il y avait beaucoup d'homosexuels dans les, les élites dirigeantes du régime de Vichy. Notamment le oui. célèbre Abel Bonnard, que les résistants appelaient aimablement Gestapette ou, ou, la, ou la Belle Bonnard. <laughs> en, en jouant sur les. Gestapet, c'est plus mignon, non ouais, C'était bien, oui. C'était rigolo. Aujourd'hui, ça tomberait à peu près de la loi, je ne sais pas. C'est un rappel historique. Hein, il n'était euh... pas le seul, d'ailleurs. Hein, le, les gens qui sont allés voir Goebbels en 1941, il y en avait quand même pratiquement la moitié qui, qui, qui en étaient. Hein, ça fait beaucoup, quand même. Hein. <laughs> C'est Buisson qui a consacré ouais. un livre un peu euh, érotophile ou érotique. Il met en dos, par exemple, jouant ouais, d'oeuf. On ouais. a peut ce, Alors, cette, bon. est peut-être. Bon. C'est pas un homme anti Alors, élections, élections européennes. Euh, oui, cher cher Jean Laporte. Oh, je souhaite rappeler aux auditeurs, puisqu'ils sont maintenant plusieurs centaines, de mettre un pouce bleu sur la vidéo, puisqu'il y a une trop grande Alors, différence. La prochaine fois, j'apporterai de. De l'encre bleue et j'aurai un pouce bleu pour que tout le monde comprenne. Une, alors, une clochette et Une quoi, clochette en fait, On en veut, veut plus on de plus de pouces Voilà Plus pouce de pouces bleus bleu, Pouces bleus Pouces bleus Et ça veut dire quoi, pouces bleus Ça veut dire qu'on aime Ah bon, d'accord, mais donc les gens n'aiment pas, quoi Faut dire ah alors, mais attendez, si, On est mauvais, quoi Regardez, regardez, Victoire, là, faites un sourire pour qu'on mette des pouces bleus. Victoire, dites aux gens de mettre un pouce bleu. Mettez des pouces bleus, s'il vous plaît Voilà Alors, pour faire plaisir à Victoire Pour Bon. c'est à dire qu'en fait, tant qu'il y a plus d'auditeurs que de pouces bleus, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent encore en mettre. Et ça veut pas dire qu'ils aiment pas, ça veut juste dire qu'ils lancent l'émission, ils, 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 ils écoutent et ils, voilà. Mais il faut qu'ils mettent des pouces bleus et qu'ils activent la clochette. Merci. Alors, élections européennes, euh, commençons peut-être par l'ensemble des pays euh, de l'Union européenne, avant de parler de la France. C'est peut-être plus original et plus, une approche plus, plus intéressante. Mais si vous permettez, une, une petite réflexion d'entrée. Euh, en fait, il n'y a pas eu d'élection européenne et il y a eu bon. des élections européennes, c'est-à-dire que chaque pays ah oui, a voté pour lui-même. Et quand vous regardez les résultats, vous vous rendez compte que chaque fois, les résultats ont été déterminés par des considérations purement intérieures et par des situations ah, purement en... intérieures. Personne n'a voté véritablement pour l'Europe ou contre l'Europe. Les gens ont voté alors, parce qu'ils étaient dans une certaine situation nationale. Nous verrons cela à propos de la France et même de l'Angleterre. Ça ne me paraît pas si clair que ça dans alors, tous si. les cas. Alors, 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 si vous voulez. Il y a toujours des gens, à droite, qui voient toujours les choses en pire. Alors c'est vrai que ça pourrait être mieux. C'est vrai que les partis nationalistes ou populistes seront encore très minoritaires dans le Parlement européen. Ou là, je préférerais dire à l'Assemblée européenne, dit faussement Parlement européen, mais enfin dit juridiquement Parlement européen. Il n'empêche que leur, leur progression est très importante. Alors en, en Union européenne, le soleil se lève à l'Est, puisque. – Orban, en Hongrie. – 56%. Ah, – euh, En fait, 52. Je les ah. le, ch le chiffre définitif, c'est 52. – C'est déjà pas mal. Euh, – C'est déjà beaucoup. Euh, 52% des voix. Kaczynski, c avec un accent sur le N, hein, c'est du polonais. Euh, Kaczynski, 45%. Public check. Hein – Public tchèque. – C'est en République. – tchèque. la Pologne, la Pologne, Kaczynski, Pologne, Pologne, Kaczynski Pologne, Thierry Pologne. Marin, oh, Kaczynski. Et euh, Matteo Salvini, 34%, auquel il faut ajouter… Là, on est en, étant en Italie, et auquel il faut ajouter euh, les 6% de, de. Le téléphone étant en mode avion, je ouais. ne peux pas vous aider pour le moment. Ah. Alors, nous allons éteindre parce que le mode avion, il n'y a rien à faire. Hein. Euh, bon, pourtant. Euh... C'est un téléphone qui parle C'est un téléphone indiscret qui, qui se met à me parler. Une voix de femme, remarquez. Non, c'est normal, il sait qu'il est à la radio. Donc alors, il parle. alors euh, et donc. Euh, L'erreur, c'était de mettre en mode avion. La Ligue, 34% euh, auquel il faut ajouter. Alors, il faut ajouter. Si, alors, donc, en Italie, la Ligue. Euh, la Ligue, qui n'est plus la Ligue du Nord, qui justement maintenant est aussi la Ligue du Sud. Euh, 34%, auquel il faut ajouter les 6% de, des Fratelli, les frères, qui sont un mouvement d'extrême droite, lui, euh, carrément. Hein. Donc, on arrive à. En rajoutant la droite modérée de Salvini, à, à, à la droite populiste de Salvini aux 6%, on arrive à 40% de bien à droite. Et ce qui est sympathique, c'est que le parti, euh, le parti M5S, qui est quand même un parti de zozo, hein, euh, euh, qui était monté à 34%, est, est tombé à, lui, il a fait le chemin inverse, il est tombé à 17%. C'est un parti écologiste qui ne dit pas son nom en réalité. Hein. Après étude, le M5S n'est pas un parti si originel que cela dans son programme, c'est un parti écolo. Bon. Alors donc, on, on voit qu'à l'Est, euh, le soleil se lève à l'Est, mais on, il ne se couche pas à l'Ouest, puisque le parti du Brexit. De Nigel Farage, je ne sais pas comment on prononce, Nigel Farage, a fait euh, 34 des, non, 32%, 32 des voix en, au Royaume-Uni. Donc les Royaume-Uniens, euh, comme on dit les États-Unis, il faudrait dire les Royaume-Uniens, euh, puisque ça, ça comprend non seulement les Britanniques, mais aussi les, les Nord-Irlandais, les Irlandais du Nord, euh, ont donné 32% à un parti qui n'existait pas il y a six mois, qui est le Brexit Party, le parti du Brexit, de la sortie. De l'Union européenne. Euh, alors, ça, c'est prodigieux. Euh, alors ce que, non, la première chose qui est prodigieuse, cher Christian Van Est, c'est euh, l'incompétence, l'incurie, euh, pour ne pas dire plus, de Mme Thérèse Amé, qui vient de démissionner, ou qui est en train de démissionner, enfin, elle a dit qu'elle démissionnerait, qui, trois ans après, n'avait pas réussi à régler la question du Brexit, si bien que, trois ans après le référendum de 2016, les Royaumes-Uniens ont voté. Aux élections européennes, c'est un truc surréaliste. C'est complètement, euh, c'est d'un ridicule achevé. Et ils ont donc voté pour un parti qui est pour le Brexit. Donc ils ont voté aux élections européennes pour un parti. Là, vous n'allez pas me dire que ça n'a pas de rapport avec l'Europe. Le Brexit parti est fondé sur la volonté de sortir de l'Union européenne. Non, mais, mais si ce vote a atteint ce, 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 ce point, ce sommet, c'est précisément parce que le, le, le Brexit. Euh, n'a pas encore euh, trouvé gain de cause, n'a pas encore été mis en œuvre. Et donc il voilà, y a eu une espèce évidemment. de révolte populaire. C'est la raison pour laquelle ils, a, ils atteignent. C'est pour ça que je vous dis, c'est très lié au, au contexte britannique. Ah, bah, pas quoi, complètement. Bah, complètement D'une bah, certaine comment. manière, le vote euh, anti-Europe euh, des, des, des britanniques euh, n'a rien à voir avec le vote pro-Orban des Hongrois. Euh, la preuve, c'est que je suppose que maintenant le, les Hongrois, le parti de le Fidesh, le parti de, de, le Fidesz, le parti de, de Orban, va certainement rester dans le PPE en fait, parce que le PPE va être bien content de, de les conserver. Le parti si... populaire européen, le... qui est le gros le gros parti voilà. de la fausse droite droite voilà. modérée, qui voulait exclure Orban. Bah oui, mais maintenant mais il, y en, a besoin, mal, il y en a besoin. Il en a besoin. Alors sachant que parce qu'il faut... qu a perdu beaucoup de plumes. Hein, il, il faut le pas, il faut pas, il ne faut pas euh, dissimuler. Euh... Des vérités évidentes. Si Orban euh, euh, ne souhaite pas quitter l'Union européenne, pas de. de comment dire De Hongrexit, euh, c'est pour une raison simple. C'est que l'Union européenne apporte en subvention 3% du PIB de la Hongrie. <laughs> Alors ça serait suicidaire de sa part. Et pour la Pologne, c'est un peu la même chose. Euh, c'est plus important encore pour la Pologne. Parce que la Pologne, d'une part, reçoit de l'argent de l'Union européenne, comme la Hongrie. Euh, mais d'autre part, il y a des raisons, la Pologne a des raisons géopolitiques et historiques profondes de vouloir être dans l'Union Européenne. Et euh, dans l'OTAN, parce qu'elle reste traumatisée par les souvenirs historiques de la conquête russe, de l'oppression russe, de l'oppression soviétique. Oui. Et donc, euh, sont... c'est tellement important. Je... Mettez-vous à leur place. Hein. Euh, les Polonais ont besoin, estiment qu'ils ont besoin euh, géopolitiquement, stratégiquement, de, de, de l'Union européenne. Et on, on ne peut pas Alors, leur jeter la pierre. On deux... peut dire la même chose, d'ailleurs, aussi des, des, pays, euh, des pays baltes, hein, comme l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie. Ce sont deux pays qui euh, n'ont pas adopté l'euro également. C'est intéressant exact, de souligner parce exact, que si exact. vous voulez ça, ça, ça montre bien leur spécificité. Euh, en revanche, on n'observe pas euh, la révolte qu'il devrait y avoir dans les pays qui ont l'euro devant euh, les conséquences économiques de l'euro. Ça, ça, ça ne s'est pas produit du tout. Alors, pour, en France, par exemple, pour le Brexit, le, la super classe mondiale, le gourchik cosmopolite qui passe son temps à, nous, à nous informer, à nous annoncer des catastrophes explique la solution de, du non-accord, le no deal en anglais, le non-accord. C'est vrai que c'est une catastrophe. Ce ne serait pas du tout une catastrophe. Il y aurait peut-être quelques, difficult peut quelques difficultés administratives pendant quelques mois, ça, je veux bien. Hein. Les coups de tampon à la douane, d'accord. Mais euh, ça se passera très bien. Hein. Euh, ça ne fait aucun doute. Et, et j'espère justement que à la suite de tous ces événements... Euh, après le départ de Theresa May, euh, il y aura un Premier ministre britannique, peut-être Boris Johnson, mmh. euh, qui sera décidé à, soit à renégocier pour avoir un accord correct, que l'Union européenne refusera probablement, soit à sortir, maintenant le 31 octobre 2019, de l'Union européenne, euh, sans accord. Et on verra à ce moment-là. On aura la démonstration que ça se passe très bien quand on est qu est le C'est le conseil que, que donne d'ailleurs, d'une façon parfaitement publique, Donald Trump. Hein. Alors, alors, Donald euh, Trump. Donald avec ses Trump... gros sabots, il leur a dit carrément sortez de de sans, sans, sans accord. Il, leur, il les a encouragés. Je vous l'avais dit il y a déjà quelques années sortez sans accord. Il vient <laughs> de le dire sortez sans accord, c'est ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, je vous ferai un traité de libre-échange avec les États-Unis, voilà. qui sera beaucoup mieux que ce que vous avez avec l'Union européenne. Et, et donc, il a donné un coup de pouce sérieux à Boris Johnson, d'ailleurs, et à la formule du no, no deal. Excusez-moi parler en anglais à Radio-Athéna bah non du non-accord euh, du non-accord euh, non et donc, euh, donc faisons des prières pour que euh, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni sortent de l'Union Européenne sans accord parce qu'on verra ensuite que les catastrophes annoncées euh, sont totalement illusoires d'ailleurs nous fonctionnons dans un système politique je fais une parenthèse qui vit pour fausser la démocratie sur l'annonce de catastrophes à venir on a affole les populations. On a eu la catastrophe, la moitié de la population mondiale devait disparaître à cause du sida, c'était en 1980-82. Ensuite, on nous a fait peur avec la grippe H1N1 qui devait tuer des millions de Français. Maintenant, c'est le climat. Le climat, etc. Vous oubliez le bug de l'an 2000 aussi, le bug de l'an 2000, il s'est strictement rien passé. Il va se passer tout de suite à maintenant. C'est le climat, le climat, le climat Vous dites, Le cosmopolite, oligarchique cosmopolite, passe son temps à nous en les catastrophes à venir. Euh, qui ne se produisent pas. Alors ce qui est un peu idiot, c'est l'histoire de, de, de janot je, parce qu'il y a peut-être un jour euh, une vraie catastrophe qui va se profiler à l'horizon, personne n'y croira, alors que peut-être elle sera vraie. — Bon. — Mais euh... attendez, c'est déjà le cas. Quand vous comparez euh, l'intérêt qui est porté sur le climat et le désintérêt sur l'immigration, vous voyez bien que le véritable danger est nié par rapport au euh, faux danger. — Alors cette remarque... Est... — Le est... véritable danger... Vous savez, moi, j'ai toujours été inspiré par les stoïciens qui, non, les sont, qui... Des... sont des cosmopolites non attendez c'est pas ça qui compte ici si. non mais attendez non pas, pas sur ce que je vais vous dire ne faites pas une obsession sur le cosmopolitisme si. les les avaient une excellente règle qui consistait à dire il y a deux catégories de choses il y a celles qui dépendent de moi et celles qui ne dépendent pas de moi de celles qui ne dépendent pas de moi je ne dois pas me soucier en revanche, je dois être responsable de celles qui dépendent de moi. Et c'est exactement ça. L'immigration, ça dépend de nous. Le climat, je suis désolé, ça dépend très peu de nous, surtout dans un pays qui a choisi le nucléaire et qui ne produit, produit pratiquement Alors, pas de CO2. Permettez-moi d'ajouter deux considérations. La première, c'est que la théorie du réchauffement, de la ré oui. la, la théorie de réchauffement climatique causée par l'homme est un bobard. Voilà. J'affirme que c'est un bobard. Si vous ne me croyez pas, lisez Allègre, lisez Courtillot, Courtillot. lisez Rito. Euh, r i t, -T a u -D, euh, lisez euh, Girondeau. Girondeau, Et lisez sur le site du Carrefour de l'Horloge euh, le, le rapport que j'ai fait en 2010 sur le sujet, euh, après, quand nous avons attribué le prix Lysenko de la, de la désinformation scientifique à Jean Jouzel et Nicolas Hulot. Bon. Euh, donc vous verrez que c'est complètement bidon. Mais quand vous parlez de grande peur, mais il y a une chose qui m'a tout à fait euh, fasciné c'est cette espèce de, de, de jeune suédoise qui doit avoir une quinzaine d'années. Et qui en Mais, organise... qui érotiste, mais oui, mais attendez, euh... ça, me fait, ça me fait penser aux grandes peurs du Moyen Âge. C'est effrayant. Vous savez, au Moyen Âge, vous avez eu comme ça des révoltes de, de, de jeunes. Euh, qui sont partis faire des croisades complètement absurdes, qui se sont terminées d'ailleurs par, par des massacres. Euh, C'est euh, exactement Vous vraies. des vraies, des bonnes croisades comme celles non, non, que je vous parlez de, pas des croisades organisées Chiant, en 1095 qui s'est terminée glorieusement par Donc la prise de vous parle Jérusalem, pas de ces croisades en 1099. Une grande page d'histoire aussi dont il faut être fier. Hein je vous parle par exemple de la croisade des Pastoureaux, ça s'appelait comme ça. Oui, la croisade des Pastoureaux. Une oui, histoire oui, oui. complètement folle quoi, croix, de, oui. de milliers de jeunes qui se retrouvaient sur la route, qui, qui allaient on ne sait pas où, qui voulaient prendre plus oui, ou moins le bateau pour aller en Terre Ils mais sont tous morts sur la route. Là, ce sont les États, les organisations euh, dites internationales, les organisations mondiales comme l'ONU, ou ses dépendances comme l'OMS oui, ou l'OMM. Il y a une manipulation. Oui, non, mais il y a une manipulation qui utilise quand même des grandes peurs, qui sont des phénomènes sociologiques, euh, dont, dont il faut euh, redouter les conséquences, franchement. Il y a un double effet systémique. D'abord, comme vous le savez, euh, la règle du journaliste, c'est euh, euh, un, un chien, mort une vieille dame, aucun intérêt. Euh, une dame, mort un chien, on peut commencer à s'intéresser au sujet. Euh, donc, euh, euh, le sensationnalisme. Bon. Donc si on, si on dit que tout va bien pour le climat comme pour autre chose, bah, ça ne se fait pas de la copie. Si vous dites que la grippe H1N1 euh, ne va, va faire moins de morts que les grippes habituelles, c'est ce qui s'est produit en réalité il y a une dizaine d'années, ça ne se fait pas de copie. Euh, en revanche, si vous dites que la grippe H1N1 qui va dans 6 mois va provoquer un désastre, 3 millions de Français vont mourir, alors là, à ce moment-là, on achète des masques... — C'est à cette euh... occasion que Mme Bachelot a, alors, a fait acheter par l'État des, je des fais... millions de masques qui n'en servi à rien, c'est ça ?— Absolument. <laughs> N'oubliez pas le parallèle très frappant. Quelle est la différence Parce que Ça, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui avait lancé ce bobard euh, de, du désastre épidémiologique de euh, la grippe H1N1 en faisant fonctionner ces modèles, ces modèles épidémiologiques. Euh, parallèle avec l'OMM, l'organisation météorologique mondiale, dont le, le fameux GIEC n'est que l'excroissance ou une succursale, eh bien, là aussi, on fait tourner des modèles. La différence, c'est que euh, comme c'est un modèle à un an dans un cas, bon, on a vu au bout d'un an que ces modèles étaient faux, ne fonctionnaient pas, racontaient n'importe quoi, de faisaient de de des prévisions débiles. Alors que là, quand on vous dit euh, le temps qu'il va faire dans 50 ans, eh bien, il faut attendre 50 ans pour vérifier que c'est faux. Oui. Euh, ça change tout. Oui, mais per... ça, on avait déjà commencé à faire ces prévisions en 1990, donc là, ça commence à faire 30 Exactement. ans. Exactement. Et, Exactement. et, on, et en et 2000, 1990, on disait dans 12 ans. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la non. surexploitation euh, des références euh, pseudo-scientifiques pour défendre des thèses qui sont euh, complètement idéologiques. On va parler des savants, des milliers de savants. On va même interdire de pouvoir, si peu que ce soit, critiquer l'autorité des savants. C'est incroyable, on est retombé véritablement dans euh, le pouvoir de l'autorité. Et on ne se rend pas compte que, en fait, on parvient notamment, je reviens sur, cette, euh, sur ces manifestations de jeunes, sur euh, l'inculture de ces jeunes qui se laissent embobiner euh, par, euh, par ces histoires. Euh, il suffit simplement de s'être intéressé un peu à l'histoire. Moi je me souviens que je n'ai jamais été euh, touché si peu que ce soit par cette idée du réchauffement climatique pour une raison très simple, c'est que j'avais lu euh, Chenu, Le Roi Ladurie et que notamment euh, je savais que par exemple au Moyen-Âge il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Voilà, ce qui explique par exemple que le Groenland, c'est la terre verte parce qu'on y cultivait sur le Alors, sur la terre verte, Et voilà. du, du norvégien et c'est l'équivalent de germanique de Greenland en anglais, bien la sûr, terre verte, voilà. Donc il faisait plus chaud. Alors, un point au passage que je signale, oui. si vous voulez, c'est que les historiens appellent cette période donc de l'an 1000 où la terre où le Groenland était une terre verte, donc il faisait plus chaud qu'aujourd'hui dans le monde. Euh, l'optimum médiéval. Autrement dit, l'optimum, c'est-à-dire que c'était mieux. Euh, et donc, ce que montre l'histoire, c'est que les périodes chaudes sont des périodes fastes, que les, les périodes chaudes. froides sont des périodes néfastes. Euh, et donc, si jamais il y avait un réchauffement climatique, quelle qu'en fût la cause, il faudrait s'en féliciter. Vous êtes très froid, il par exemple. au XVIIe siècle. Euh, bien au XVIe siècle, il y, de famines, il y a eu des famines. Il y a eu des famines en France, oui, bah bien rentable. sûr. 3 millions de Français sont morts de faim à, à cause justement. Bien euh, sûr, ce n'était pas les guerres quand on en se C'était le climat. Vers 1705-1710. On pouvait traverser la Seine à cheval bien pendant l'hiver, euh, au moment les plus froids. Donc c'est pour vous dire à quel point il faisait froid. Euh, pas, pas le climat est 14. cyclique. Voilà. Et les hommes y ont un. Alors un rôle, est à, très marginal. J'avais promis de faire deux remarques sur le sujet. La deuxième remarque, c'est qu'en fait, cette, ce thème du climat, ou le thème écologiste en général. Oui en en v... Merci. Je voulais noter aussi les, les, les famines en Scandinavie qui ont amené des millions de Scandinaves à partir au, au, en Amérique du Nord. Ouais. Ouais, dans, euh, les, dans les mêmes années, 1700-1800. Ouais. Euh, et et, et euh, euh, donc euh, le le, le la, la peur, la peur de la catastrophe écologique. Le climat, maintenant, on nous sort à la biodiversité. Alors, le, la biodiversité, je n'ai pas étudié la question, là, je, je suis, mais je reste très sceptique quand je fais la comparaison avec ce qu'on nous raconte comme petit sur le, sur, sur le climat. C'est plus, euh, ouais, plus vraisemblable. Oui, c'est plus vraisemblable. En raison de l'occupation du terrain par, par les ouais, hommes. Oui, mais euh, il y a toujours euh, des euh, espèces euh, qui ont disparu, d'autres qui sont euh, -à -dire, euh, bon. Euh, ouais, bah, euh, enfin, J'aimerais voir une étude sérieuse sur la question qui ne soit pas orientée par le, le, la volonté d'attirer des crédits, euh, d'affoler les populations. Mmh. Bon. La catastrophe écologique, quand, dont on nous bassine dans les médias tout le temps, Explique la montée de, du vote écologiste. Euh, on dit, ah ben c'est extraordinaire, Jadot est passé à 13%. Ben avec un, avec un, un, un matraquage pareil, si vous voulez, euh, et, et, et j'arrive tout de suite aux élections françaises, c'est qu'en fait, euh, l'analyse fine qu'a faite euh, Jérôme Fourquet, de, euh, le politologue, c'est que euh, dans la dernière ligne droite, euh, la liste de l'oiseau euh, a perdu des plumes sur sa, sur sa gauche et a gagné des plumes sur sa droite. C'est-à-dire qu'elle a, elle a perdu des, 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 des plumes au profit euh, du, euh, du parti écologiste. Euh, là, le vote utile n'a pas, pas fonctionné. Alors qu'en sens inverse, euh, elle, a, elle a gagné, elle a, elle a, elle a déplumé le parti euh, LR de M. Vauquier et de M. Bellamy. Euh, dans la dernière ligne droite, les gens ont voté utile. Et si bien qu'à Versailles, ville que je connais bien parce que j'y habite, et dont Bellamy est conseiller municipal et adjoint à la mairie, euh, il était candidat à la législative, il a été battu, eh bien, euh, Bellamy euh, a fait euh, moins que Loiseau. Il a fait quand même 27%, euh, mais Loiseau a fait 30%. Oui. Hein. Et, et à Neuilly, d'ailleurs, la liste Loiseau a fait 50% quasiment, 47%. C'est-à-dire que vraiment, euh, la droite bourgeoise. Euh, Écono, économico-conservatrice euh, euh, finalement euh, c'est reconnu dans Macron et dans l'oiseau ce, ce qui peut paraître extra extravagant voilà. alors euh, comment jugez-vous donc le résultat pour la France de ces élections, euh, de ces élections européennes alors euh, c est, c est, c est, ces résultats sont pour moi absolument calamiteux calamiteux parce que euh, Certains ont cru que l'important était la, la victoire du Rassemblement national. Euh, certes, on peut, on peut se, se féliciter du fait que le Rassemblement national soit arrivé avant la liste LREM. Mais en fait, c'est exactement ce que souhaitait Macron. Ce que souhaitait Macron, c'est faire en sorte que la situation de 2017 pour les présidentielles se répète en 2022, c'est-à-dire qu'il se retrouve face à Marine Le Pen. Au second tour de l'élection présidentielle, et le fait de euh, finalement d'éliminer le troisième larron, c'est-à-dire les Républicains euh, du jeu, est pour lui euh, vraiment un coup, de poter, un coup de poker réussi. Euh, je, je pense que la situation est dramatique. L'effondrement des Républicains est quelque chose de dramatique. Et évidemment, on, on ne peut pas les plaindre parce que c'est complètement leur faute. Ces gens-là, et j'ai écrit plusieurs textes sur, sur mon blog, c'est ces ainsi pour retracer une histoire que j'ai connue de près, puisque j'étais membre de, de ce parti, non pas des républicains, je suis parti avec l'UMP, moi, mais surtout du RPR. Moi, j'étais un, un membre enthousiaste euh, du RPR lors de sa création en 1976, et quand j'ai été élu, j'étais un, un élu essentiellement RPR, c'est-à-dire pour être clair, gaulliste de droite, gaulliste patriote, euh, eurosceptique. Euh, étant plus proche de, de Pasqua, par exemple, que d'autres. Bon, eh bien, aujourd'hui, ce parti est complètement dénué du moindre commencement, du début d'une idée. Ça n'est plus qu'un panier de crabes de gens qui euh, essaient de faire carrière en opposant leurs égaux. Et ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. Si vous, vous avez une première génération de gens qui en général avaient été euh, promus par la guerre, des gens comme Guéna, comme Gallet, etc., qui étaient des gens qui avaient des convictions, qui avaient risqué leur peau avant de faire de la politique. Ces gens-là avaient des convictions et savaient s'effacer quand il fallait. Euh, ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est des gens d'appareil. Euh, donc il y avait encore des convictions. Pasquet était un homme d'appareil, c'était un, un homme des coups et des mauvais coups parfois, mais il avait des convictions. Ouais, des mauvais coups surtout. Hein. Oui, bon. Euh, et puis vous avez une troisième catégorie. Vous savez, les gens qui sont rentrés non pas... Euh, par euh, les convictions, mais par les cabinets. Euh, C'est-à-dire par euh, le fait d'être euh, l'auxiliaire de je ne sais quel ministre ou de je ne sais quel euh, euh, élu. C'est le cas, par exemple, d'un Juppé. Juppé n'a jamais été un homme de droite. Il n'a ah bah sans je, doute jamais été gaulliste. Juppé a rapporter. voté, attendez, je, ra je rappelle quelque chose d'essentiel. En 1969, Juppé, il a voté Krivine, ça veut tout dire. Ça veut dire que cet homme était séduit dans sa jeunesse par les idées d'extrême-gauche. Et ensuite, il a fait carrière à droite parce que c'était là, les gens qui étaient au pouvoir au moment où il Alors est arrivé. Je, peux, est je peux vous rapporter une confidence qu'il avait faite un jour à Yvan Blot, à l'époque où Yvan mmh. Blot était euh, euh, directeur de cabinet du secrétaire général euh, du RPR, de, à l'époque. Euh, donc ça fait bien longtemps. Et lui était conseiller de Chirac. Euh, et il a dit, il a dit à blo euh, tu sais Yvan, en fait, au fond, je suis cosmopolite c'est-à-dire citoyen du monde, euh, oui. et non pas attaché à la patrie. Donc il n'avait rien à faire au RPR, ce monsieur Je suis cosmopolite. C'est exactement le voilà. contraire de ce que pensait De Gaulle, exactement le contraire. Le bon. Donc si vous voulez, aujourd'hui, les Républicains payent cette absence d'identité, on revient au sujet qui nous, qui nous réunit, cette absence totale d'identité politique. Et ils sont écrasés... Euh, entre les centristes euh, eurolâtres, d'un côté, Alors, que rassemble Macron, et puis d'autre part, euh, ceux qui, effectivement, sont, sont les patriotes, c'est-à-dire les, les gens du Rassemblement national. J'avais préconisé, en ce qui me concerne, en 2010, évidemment, tout le, tout le monde m'était tombé dessus, lors des élections régionales, j'avais préconisé une alliance avec le, le Rassemblement national, qui était encore le Front national à l'époque, euh, en disant simplement « Attendez, les Italiens ont gagné les régionales. Berlusconi a gagné les régionales tout simplement parce qu'il a il s'est ouvert à droite. Nous, nous refusons. Et au contraire, lorsque nous gagnons à droite comme en 2007, nous nous ouvrons à gauche d'une façon complètement inutile parce que les gens de gauche ne vont jamais voter pour nous. Alors, j'avais souhaité ça, on ne m'avait pas suivi, je constate que j'avais raison, je le dois le dire, sans aucune modestie. Nous aurions dû depuis très longtemps nous centrer sur nos idées, celles qui avaient fait le RPR, C'était à dire idées essentiellement nationales, et surtout ne pas fermer la porte aux autres nationaux. Alors écoutez, moi je vois quand même, Christian Van Est, euh, chers auditeurs de Radio Athéna, euh, deux motifs de satisfaction dans ces élections européennes pour la France. Le premier, c'est que la liste, euh, euh, la liste du Rassemblement National est arrivée avant celle de l'Oiseau. Autrement dit, la liste de la République en marche de Macron-L'Oiseau n'est pas en tête. Euh, motif de satisfaction. Euh, euh, deuxième motif de satisfaction, c'est euh, l'écroulement. Ce, ce, ce qui vous désespère, moi, ça me satisfait. Non pas à euh, long terme, mais dans l'immédiat, parce que euh, le comportement euh, le comportement d'abandon des idées de Candole, le Candole étant un, un homme classé à droite, mais qui est soumis au codes politiquement correct, le comportement de Candole, non seulement d'ailleurs euh, de Vauquier, mais de Bellamy, euh, faisait qu'il euh, méritait d'être battu et qu'il devait être battu. Euh, le, le drame, si vous voulez, c'est que euh, ni euh, Laurent Wauquiez, euh, ni euh, Nicolas Dupont-Aignan n'ont su profiter de la situation qui était celle de la France à droite après l'échec de Marine Le Pen au second tour des élections, de l'élection présidentielle. Elle avait fait un débat où elle n'avait pas été très brillante. On, on l'a accablée peu de manière un peu excessive, mais toujours est-il que politiquement, elle était au fond de la nasse d'une certaine manière, au fond du trou. Et donc, à ce moment-là, elle moment a fait de grosses erreurs quand même. Hein. Voilà, le ce fait pas... de ne pas saisir le dossier Alstom bon, euh, et de le confondre avec le dossier SFR, bon, quelle qu 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 légère, qu légèreté euh, En tout cas, toujours est-il que, toujours est-il que, elle était en mauvaise posture et qu'il y avait donc une Brèche qui s'ouvrait ou un espace qui s'ouvrait, pour, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Soit pour Vauquier, soit pour Dupont-Rignot, soit pour les deux. S'ils avaient fait, s'ils avaient donné un coup de barre à droite en reprenant le thème de l'immigration, de manière très claire, ils pouvaient faire aussi bien que le Front National. Ce n'était pas difficile. Je vous rappelle que l'engagement numéro 26 de Mme Le Pen, c'était un solde migratoire positif. Alors on pouvait difficilement faire pire. Bon. Euh, donc, ils auraient, à ce moment-là, euh, en, en se positionnant de manière claire, comme des partis populistes anti-immigration, enfin nationaux-libéraux, sinon populistes, euh, ils auraient pu récupérer le, 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 une partie euh, du vote du Rassemblement national. Mais en revanche, leur défaut de positionnement, leur, euh, euh, leur godille perp perpétuelle entre une position et une autre, euh, manœuvrant, euh, maniant la chèvre et le chou, euh, euh, s'excusant constamment des erreurs qu'ils avaient commises, euh, surtout pour Vauquier, euh, euh, fait qu'ils ont perdu toute crédibilité. Et que ils ont été pris l'un comme l'autre dans l'étau qui se formait et que voulait constituer Macron entre LRM d'une part, le Front national d'autre part, le Rassemblement national d'autre part. Bon. Euh, quand on est dans un dans un étau, euh, il faut euh, desserrer l'étau. Et pour desserrer l'étau, il faut cogner à mort sur l'un des de deux côtés de l'étau. Et il fallait cogner à mort sur Macron pour, pour, pour essayer euh, c'est ce que Bellamy n'a pas fait d'ailleurs. Lorsque Bellamy a été choisi par le renvoquier, j'ai tout de suite pensé que c'était une erreur politique. Alors, je, non seulement parce que j'avais mauvaise opinion de Bellamy du point de vue politique, mais je pensais que c'était une erreur stratégique euh, du point de vue de l'intérêt même euh, du parti euh, LR. Pourquoi Parce qu'il euh, était insuffisamment euh, euh, motivé pour attaquer euh, les gens d'en face. Je vous rappelle que la, la, la politique, c'est la définition de l'ennemi. Elle repose par la décision de l'ennemi. Donc, si on n'a pas d'ennemi, on n'existe pas. Et alors, j'étais un peu surpris, d'abord, dans les sondages, de voir les intentions de vote pour la liste Bellamy monter. On était passé de 12, 13, 14, jusqu'à 15%. Il faut dire que Bellamy a une couverture de presse remarquable. Tout le monde disait du bien de Bellamy. Il renouvelait la politique, c'est formidable. Il n'y avait que des commentaires favorables. À l'exception du mien, puisque j'ai fait une vidéo intitulée Bellamy, Rouen et candoles euh, et, mais tout le monde trouvait que la vie était formidable. Bon. Alors c'était une bulle, c'était un candole. Euh, et euh, il a eu deux fois la couverture du Figaro Magazine, une fois la couverture du Point, une fois la couverture de Valeurs Actuelles. Bon. Autrement dit, euh, il a été servi par les médias, ce qui est normal pour un candole. Et bien malgré ça, comme son positionnement n'était pas bon... Il est tombé à 8,5%. On pouvait difficilement faire pire. Alors, si vous permettez, euh, je voudrais revenir sur mon sur, sur l'analyse la, la, que j'ai faite, qui est différente de la vôtre, euh, et qui est fondée sur, je, euh, qui non, est fondée non, sur une prospective. Je, je ne contredis pas. Hein, attendez, non, non, nous je... sommes, nous sommes, nous je... sommes d'accord. Mais euh, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est l'extraordinaire domination de ce parti écrasé aux européennes dans les élections locales. C'est un parti qui détient trois grandes régions, qui détient de multiples municipalités, qui détient beaucoup de départements, autrement dit qu'il a des assises locales tout à fait considérables. Or, que va-t-il se passer Il va se passer que tous ces gens vont voir arriver les municipales avec une frayeur manifeste Mardi de 2000, perdre. Mars 2020, les municipales. 2020, mars 2020. Et que vont-ils faire Comme il y a un cordon sanitaire qui a été installé de façon complètement stupide euh, par une partie des responsables, euh, des républicains, et notamment par les chefs qui, aujourd'hui, datent un peu comme Chirac, Juppé, Sarkozy, etc., eh bien, ils vont plus facilement s'allier avec LREM qu'avec le Rassemblement national. Autrement dit, il y a un risque considérable que Macron ait réussi une sorte, si on me passe l'expression, d'OPA. Sur la droite classique française. Christian Vaness, il l'a déjà moitié réussi, puisque ben oui, Juppé, mais Juppé qui a quand même été premier ministre, premier ministre de, de, de Chirac, euh, qui a été président du RPR, de l'UMP, qui a même fondé l'UMP. Euh, a, a soutenu euh, Macron. Et que Édouard Philippe, qui était un, un homme-lige ou un, un bras droit, euh, ou le bras droit, le bon, en tout cas un collaborateur proche de Juppé, est devenu Premier ministre. Donc, donc euh, le ralliement est déjà fait en partie. Et, et surtout, ça fait longtemps qu'il n'y avait plus. D d je, je, donc je... vous euh... partagez mon pessimisme. Oui, à... euh, non, attendez, euh, hein. euh, le Chers auditeurs de Radio Athéna, l'opération République en marche, c'est simple en fait. C'est simple à décoder. Ça fait longtemps, ça fait belle lurette que le Front National parlait de l'UMPS pour dire qu'il n'y avait pas de différence entre l'UMP et le PS, et il avait raison. Simplement, ah oui. le PS a était à cause de son passé, conservait le nom de socialiste et continuait à se dire à gauche. En fait, si vous regardez le livre le président ne devrait pas dire ça, vous savez, consacré à, aux confidences de, de François Hollande, vous, vous verrez qu'il n'y avait aucune différence de fond idéologique, politique, métapolitique entre François Hollande et Emmanuel Macron, qui était, de, qui était son conseiller économique en, euh, lors de l'élection présidentielle de 2007, euh, de 2012, pardon, 2012, euh, qui a été ensuite son ministre des Finances, son, 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 son conseiller économique à l'Élysée, ensuite, et son ministre des Finances, de, de l'Économie. Donc... Euh, Simplement l'astuce euh, diabolique de Macron de ses conseillers, ça a été euh, de, faire la, de faire faire au PS la mue qu'il qu devait faire depuis longtemps en changeant de nom en faisant en disant moi je suis ni droite ni gauche Et comme cela les différences artificielles qui séparaient encore le PS de l'UMP ont disparu puisque c'était un nouveau parti euh, qui, ne, qui ne se disait pas de gauche qui se disait de, de, qui se disait de partout et donc il y avait plus et donc une partie des électeurs ont déjà ont pu être attirés par ce parti qui n'était pas de gauche officiellement et euh, d'autant plus qu'il était représenté par des gens comme Edouard Philippe qui étaient donc des, des, des gens venus de la, de la droite ou de la prétendue droite voilà l'opération voilà qui s'est produite. En fait, le, euh, le, la République en marche, c'est le PS renouvelé. Euh. Comment vous situez Macron sur le plan politique ah ben C'est très simple, c'est un cosmopolite. Ah euh, oui, vous pouvez le définir euh, comme ça. C'est je gauche cosmopolite. Je, je, je dirais qu'il ah, a, il a, il a alors, une originalité par rapport au paysage politique français. C'est que le paysage politique français était, contrairement à ce que certains disent, parfaitement euh, établi sur les bases gauche-droite. Euh, la, la droite étant en général plus libérale, mais pas trop. Parce qu'en France, le libéralisme est quelque chose d'assez mal perçu, et plus attaché à des problèmes comme la sécurité ou comme euh, la, la régulation de, de l'immigration. La gauche étant manifestement euh, chargée de détruire le pays à force de, de l'affaiblir économiquement, à force de le laisser envahir, etc. etc. La, la division était assez simple. Euh, Macron vient de la gauche. Il a été membre du PS pendant trois ans. Euh, il a fait toute sa carrière grâce à euh, des responsables qui sont, Atali par exemple, ou Jouyet, qui sont des socialistes. Donc, manifestement, c'est un homme de gauche. Mais de quelle gauche Eh bien, Macron, c'est un homme de la gauche américaine, en fait. C'est un, un libéral au sens américain du terme, c'est-à-dire libertaire sur tous les plans euh, qu'on appelle maintenant sociétaux. Euh, c'est ce qu'il appelle le progressisme. C'est quelqu'un qui n'est pas véritablement libéral sur le plan économique, qui est plutôt social-démocrate que, que, que libéral. Sinon, il aurait baissé. La, la fiscalité, les prélèvements obligatoires d'une façon beaucoup plus nette dès, dès son arrivée. Euh, et ça, les Français ne le perçoivent absolument pas. C'est parce que, parce que, un, un, un étranger, le, le Pour bien comprendre cela, il faut voir que la gauche a, a deux pôles. La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Bon. Et, et le climat droite-gauche, en fait, existe depuis trois siècles. Euh, depuis ce que Paul Hazard a appelé la, a appelé la crise de la conscience européenne, 1680-1715. Mmh. Et euh, la gauche, dans, dans l'histoire, dans les utopies de gauche, euh, avant euh, l'utopie égalitaire de gauche, a deux, deux pôles, deux récits différents, deux, deux aspirations différentes. Le côté, le, le, pôle, le pôle collectiviste, euh, qui est représenté par, euh, idéalement par Rousseau et par Staline, par exemple, enfin par le marxisme, le communisme, le socialisme, et le pôle cosmopolite. Qui est représenté parfaitement aujourd'hui par Emmanuel Macron. Sachant que, alors, bien sûr, il y a, entre ces deux pôles antagonistes, des passages, des passerelles qui ont pu y avoir lieu dans l'histoire. Ce qu'on a appelé le marxisme culturel, avec Marcuse ou l'école de Francfort, c'est une forme transitoire entre le collectivisme et le communisme, une forme intermédiaire. Aujourd'hui, euh, enfin, ça fait longtemps que le socialisme était beaucoup moins collectiviste et, et beaucoup plus. La social-démocratie est déjà, déjà une espèce de, 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 de combinaison hein, de, de, de collectivisme et de cosmopolitisme. Et, et donc, ça a été poussé à l'extrême euh, après mai 68. C'est-à-dire que l'idéologie de mai 68, c'est le cosmopolitisme c'est l'idéologie du monde sans frontières. Euh, qui n'est pas euh, collectiviste, qui évidemment euh, se combine dans la pratique avec le collectivisme, puisque euh, quand on hérite d'une société française où, où le, dépense, euh, enfin, les, les dépenses publiques de l'État et, et des, des organismes publics représentent 56 ou 57 du PIB, on est encore dans un pays collectiviste. Mais l'idéologie dominante n'est plus le collectivisme, c'est le cosmopolitisme qui veut faire disparaître les frontières, d'où l'immigrationnisme, d'où euh, le libre-échangisme, d'où l'européisme, d'où aussi euh, tout, tout le volet intérieur du cosmopolitisme, cest à le mariage homosexuel, la théorie du genre, euh, le féminisme et, et tout ce qui se rapporte à la destruction de la famille et à la destruction des, des, des valeurs traditionnelles, enfin des valeurs en général. Bon. Euh, donc Macron euh, est un produit... Ma Macron, c'est vraiment le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite. Il a été poussé là par des gens qui l'ont soutenu, euh, qui l'ont financé d'ailleurs, euh, et qui le représentent. Voilà. Euh... Alors, euh, il le fait assez habilement, il faut reconnaître. Enfin, assez habilement, c'est facile quand on a les médias pour soi. Hein. Quand, on, euh, voilà, euh, quand, quand les médias vous servent la soupe à longueur de temps, c'est plus facile d'avoir l'air habile. Ce qui pose le problème, d'ailleurs, de la, de la propriété de ces, de ces médias par un, un très alors, petit y a, nombre d'hommes de, de qui défendent ces médias. Il faut, idées. faut passer ensuite à la question de l'identité oui. générale. Hein Vas-y, hein ouais. juste avant les questions, ou simplement avant les questions. Merci. <laughs> juste euh, en ce sens, c'est un anglicisme. Oui, je sais. Je commence. Donc, euh, à... donc je... Vous avez, heureusement que vous êtes reporter. Je me suis sinon, repris. Vous, je me suis vous repris. Vous aviez droit. Vous aviez droit. Euh, vous aviez le, pas le droit. Vous avez l'obligation d'aller. Euh, on finit par apprendre. Euh, non, donc je tiens, à, donc je, je je remercie les auditeurs et je tiens à leur rappeler de mettre un pouce bleu sur la vidéo euh, pour aider la radio à se développer un pouce bleu. Et, euh, et et, et l'émission aussi à, à atteindre un, un plus grand nombre d'auditeurs. Victoire, si vous pouvez appuyer cette demande, ce oui. serait sympathique. Avec euh, énergie. Mettez un pouce bleu. Oui. Plus fort <laughs> Non mais oui, mettez un pouce bleu s'il vous plaît, euh, pour le référencement. C'est euh, important. Et puis, et puis une clochette pour s'abonner aussi. C'est gentil. Et là, appuyer sur la clochette. Aussi. Alors, Youtube. Euh, alors avant pour les questions, euh, nous allons remercier euh, Edmond Baladur pour son don euh, sur Youtube et son Edmond message... Edmond Baladur ou Edouard Baladur Edmond. <laughs> ah Et son message, euh, vive Henri de Lesquin, le meilleur représentant de la droite modérée. Avec Christian Van ex hein, j'espère oui. hein. Euh. <laughs> Alors... Euh, modéré, je ne sais pas. Ah <laughs> si, euh, je ne suis pas convaincu. Pour, vous parlez pour vous, pour moi Non, pour moi. Ah, je suis, je suis de Écoutez, vous êtes libéral, démocrate et républicain, donc vous êtes de droite modéré Non, non. Là, je ne suis pas modérément Ma euh, républicain, ah ni voilà. modérément conservateur. Sommes, non, mais attendez. Nous, nous, voilà, la nuance qui, est de, qui enfin, la formule existait déjà depuis longtemps, mais nous sommes de droite modérée, mais pas modérément de droite. Voilà. Bon, on peut dire ça. Hein. Tout à fait. Tout voilà. Exactement ça. <laughs> Alors, une question de Baptiste. J'aimerais savoir si, en privé, Chirac était un candol ou pas. Mon Dieu, moi, j'ai pas eu la chance de le connaître en, en privé. Sarkozy, je l'ai connu en privé. Euh, euh, Chirac, je l'ai je euh, mais... rencontré, mais jamais, jamais de façon telle que j'ai pu appréhender ce qu'il qu euh, pensait non, vraiment. Non, 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 mais... Ce qui m'avait frappé, frappé chez Chirac, quand j'ai eu, le, le, par exemple, l'occasion de, 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 de déjeuner avec lui, bon, j'étais pas seul, mais on discutait, c'était son côté complètement superficiel. C'est-à-dire s'intéresser aux petites choses. D'un repas à la mairie de Paris peu avant les présidentielles de 1995, euh, où, parce que Robert Gallet était là, et je ne savais pas que Robert Gallet était un grand spécialiste des papillons, euh, on a donc eu droit à un grand dégagement de Chirac sur les papillons. Euh, et, et il a offert un magnifique papillon qui venait du, du Gabon, je pense, euh, à Robert Gallet, qui lui-même avait donné son nom à un papillon du Cameroun. Je suis sorti de là en étant baladurien, pour ne rien vous cacher, parce que lorsque j'avais rencontré Baladur, je n'avais pas perdu mon temps comme ça. <laughs> voilà. non, mais Chirac, Chirac Petite était anecdote. En... Chirac <laughs> était inculte et pas, il n'avait pas ah ouais, d'excuses. Mais c'était effarant ce jour-là. Il hein, était inculte était... il n'avait pas d'excuse à être inculte, euh, puisqu'il avait une mémoire d'éléphant. Mais il était inculte. alors, pour camoufler son inculture, il a trouvé un truc, c'est de dire qu'il s'intéressait au. Euh, à la Chine et ensuite il s'intéressait, il avait raconté qu'il s'intéressait, euh, euh, qu s'intéressait euh, à l'art primitif, à l'art premier, voilà, à premier. Il connaissait strictement rien. Euh, mais, mais simplement et comme euh, les autres il y aurait encore davantage de choses que lui si on, si on dit oui, qu'on si qu s'intéresse à la culture classique on peut rencontrer un peu trop facilement oui. des gens qui s'y connaissent un peu oui. et d'ailleurs il est rapidement abandonné à la Chine parce que sur la Chine il y a quand même, il y a quand même des gens oui. qui, euh, qui, qui connaissent le sujet oui. et, et alors en fait les arts primitifs personne ne connaît le sujet en plus il suffit de retenir par cœur une liste euh, alors comme il y a mis un content de l'effort éléphants tiens par cœur une liste avec des noms incompréhensibles des noms rares alors, alors, et on impressionne les gens hein, euh, les apothèques, les topothécaires et, et on, on sort ça alors, on a l'impression que le gars est très savant il n'y connaît strictement rien euh, il n'y connaît strictement rien euh, et mais, ah, alors, moi, je peut, moi je crois que je peut je peux affirmer quelles sont ses opinions euh, elles ont transparu d'ailleurs même au début en 1967 moi j'étais membre aussi du RPR à l'époque puis je suis parti un peu plus tard. Ah. On euh, quand... n'avait pas que des défauts quand même. Oh. <laughs> Il y a eu des bons moments dans votre euh, vie. Euh, non Louis non Masquer. non, je, ben justement c'est un moment <laughs> que je, dont je, que je dont je meurs pas, hein, je vous dire dis, parce que franchement, le, le repère de Chirac, non, très peu pour moi finalement, rétrospectivement. et rétrospectivement. Dès 1976, il avait inventé le travaillisme à la française. Oui, c'est vrai, ça m'avait échappé. Et, ce et, et ah, oui, oui, alors là, <rire> 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 censure, comme dirait le, le psychanalyste que vous avez tant. Euh, et donc... Euh, — En fait... — Moi, c'était le, le Chirac de l'appel de Cochin que j'aimais bien. Ouais, mais que, hein, bah, voilà. Eh, On dénonçait le Chirac parti de l'étranger. — Sachant que le Chirac de l'appel de Cochin, Pierre, il s'appelle Pierre juillet en réalité. Hein, ouais, C'est ouais, un ça. texte de Pierre juillet euh, Donc en Chirac, en fait... — Et Marie-France Garraud. — ces convictions profondes, c'était... La social-démocratie, c'était le travaillisme C'était un, euh, un, 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 un radical un socialiste. Non, plus, à gauche, plus à gauche que ça. Enfin, euh, social-démocrate, un homme, un homme du centre-gauche ou, 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 ou de gauche un modéré, disons. Voilà. Mais absolument pas un homme de droite. Hein. Son euh, modèle, c'était cueil Et, et d'ailleurs, da, on l'a lu, vu, de la Corrèze comme lui. Et, et, et on l'a vu à la fin de sa vie. <laughs> et notamment, d'ailleurs, on l'a vu même avant la fin de sa vie, puisque la censure de l'amendement Vaneste, c'est est en soi une monstruosité. Ah, cet, euh, cet qui, ah, oui. qui, il aurait censuré encore un socialiste. Mais non, il a censuré euh, un gars de son parti. Et hein, pour faire plaisir à un pays étranger. Et pour faire plaisir à un pays étranger. C'est clair. Et parce que parce que parce que c'était son sa conviction. c'est un homme qui n'est pas qui n'aime pas la. Non, patrie, je crois pas. pas je crois pas. Je crois pas que c'était bon. euh, sa conviction particulièrement. Mais mais, mais, mais en tout cas, c'était véritablement Victor. pour répondre à l'appel de de, de l'Algérie. Moi, j'aimerais bien faire une annonce. C'est possible. Alors, l'annonce là tout de suite. Bah oui. Euh, parce qu'on vient de on vient de parler. Euh, alors, précisément euh, du cosmopolitisme. Euh, euh, Alors moi, je voudrais citer un, un homme pour lequel j'ai une très grande admiration et qui a d'ailleurs euh, rédigé la préface euh, de, de, de de mon, de mon livre. Euh, c'est Philippe De Villiers, euh, le, li euh, le livre le livre puissant voilà. et remarquable, c'est l'identité ou la mort, est ou la mort. de Christian Vanest. Et donc c'est Philippe De Villiers qui a rédigé cette, cette préface. Et il se trouve que euh, en tant que président de, de la Droite Libre et en collaboration d'ailleurs avec le, le CNIP, nous invitons Philippe De Villiers à, à un dîner débat qui aura lieu ici à Paris. Euh, dans un restaurant bien connu à deux pas de la Place de la République, boulevard chez du Temple, chez Génie. Quel, chez Génie. quel numéro euh, C'est 39, 39, boulevard du Temple. Et chez donc, Génie. Le, 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 le dîner des débats aura lieu le mardi 11 juin à partir de 19h30 et bien sûr, aura trait... À la construction européenne, dont Philippe De Villiers dans son dernier ouvrage montre à quel point c'est une 35 déconstruction. C'est un long mensonge. C'est un long mensonge qui commence avec trois personnages qui sont Schumann, alstein et euh, surtout, bien sûr, euh, euh, Mr Cognac, comme l'appelaient euh, les, les, les Anglais. Cet homme qui euh, aujourd'hui euh, occupe cependant euh, le panthéon, Monsieur Monet.

en fait, il était oui. un ancien dignitaire, euh, C'est un ancien responsable, euh, responsable de, à Un de, de, très haut niveau, juriste, de, de juriste, euh, juriste. Euh, du, du Reich. Et il a été en plus professeur de nazisme, professeur de nazisme dans, dans l'armée allemande. Lorsqu'il a, lorsqu lorsqu a été fait prisonnier, et son rôle dans l'armée allemande, ce n'était pas de combattre, c'était d'enseigner les principes du nazisme aux soldats allemands. Il enfin. faut bien voir qu'il y avait. Euh, C'est euh, quand même un peu fort. Dans, dans, dans la mouvance hitlérienne, il n'y avait pas de doctrine fixe. Elle était très, très hétérogène sur le plan doctrinal. Hitler ne demandait une seule chose, c'est qu'on lui fût fidèle. Euh, et qu'on fût anti-juif au passage. Mais la, la majorité des Hitlériens étaient nationalistes allemands. Mais il y avait une tendance européiste extrêmement puissante, euh, dont faisait partie euh, Walter Alstein ainsi que Himmler, le chef de la SS. Et, et en, fait, en fait, Hitler n'était pas nationaliste, contrairement à ce qu'on pense. Euh, non, non, Son mais racialisme mais... faisait qu'il n'était pas nationaliste, en fait. C'est ce qui explique qu'à la fin de la guerre, beaucoup de non-allemands. Avait rejoint les troupes hétériennes. parce que c'était c'était autre chose qui motivait Hitler. Euh, et le, le, le racisme en lui-même, qui n'est pas nécessaire d'appeler racialiste, le racisme, euh, le racisme extrême, le, le racisme réductionniste, qui ramène tout à la race au fond génétique et particulièrement à la race, est forcément antinational ou anational. Non, mais même antinational puisque aucune race ne coïncide, aucune, aucun peuple, aucune nation ne coïncide avec une race. C'est tout simple. Euh, avec une ethnie, si vous voulez, euh, oui peut-être, mais pas avec une race, au sens biologique du terme. Donc le racisme proprement dit est incompatible avec le nationalisme. J'apporte une petite euh, précision ce... sur, sur l'annonce que j'ai faite. C est, c est, c est, si, si, si des gens veulent s'inscrire pour ce liné-débat, il faut aller sur le site de la droite libre. Hein, sur Alors Internet, la droite libre, voilà. c'est une, de, une, de vos... une association. Euh, une de vos organisations euh, parce que vous aussi que, au FPF, que je préside, oui. Je préside RPF. aussi un parti politique, le, le euh, RPF. Qui n'est pas le, le Rassemblement de, le français, mais le Rassemblement pour la France. Voilà, c'est ça. Hein? Rassemblement pour la France. C'est le même site que, ce, que le, celui du parti créé par De Gaulle en 1947, mais ça n'est pas le, le, le même sens. Alors, euh, il y a encore une question parce que j'aimerais que nous parlions de euh, livres, de... oui. ah, il et surtout du sujet de l'identité. Euh, une question de Kajie au PMU, le déclin à de l'identité. C'est quoi lui Kajie au PMU. Kajie au PMU. Bon, très bien. Ça le déclin. Un je la, je... Oh, quelle perspicacité, <laughs> <laughs> Christian. On ma a marqué quand même cette finesse d'analyse. Hein, ah, oui, ça... <laughs> alors là, <laughs> je vous surprends là. Je sens ah. que je vous surprends. <laughs> Rouletabille, uh, <laughs> l'inspecteur Rouletabille, dans le mystère de la Chambre jaune, vous connaissez, j'espère, vous avez lu. Ah oui, oh, oui. Hein oh, je pense Chers que un auditeur de, 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 de Radio que... Téna, si vous n'avez pas encore lu le mystère de la Chambre jaune où sinistre le célèbre Rouletabille. Et elle, le parfum de la dame en noir, est-ce que vous avez lu J'ai lu les deux, moi. C'est la suite, c'est passionnant. Rouletabille, je crois qu'il n'était pas inspecteur, en fait, mais bon. Non, non, euh, c'est un détective. Euh, 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 voilà, un détective Rouletabille. Alors, le déclin de l'identité française est-il de près ou de loin à la... Est-il lié de près ou de loin à la création de l'Union européenne Ah, bien sûr, alors ça nous fait une super transition. Euh, donc nous allons parler maintenant de l'identité en péril. Euh, l'identité en péril, c'est euh, l'identité individuelle qui est mise en péril euh, par la propagande euh, médiatique, euh, par le bourrage de crâne, par l'éducation qui n'est plus nationale. Euh, par la décadence des mœurs, c'est l'identité nationale qui est en péril et c'est l'identité de la civilisation occidentale. Alors, euh, pour ce qui est de euh, la nation, euh, le projet européen, euh, européiste, devrais-je dire, vise à construire l'Europe, mais construire l'Europe, c'est forcément détruire la nation. Euh, et. Euh, Monsieur Emmanuel Macron a commis, au moins dans les mots, un acte de forfaiture en disant que la souveraineté devait appartenir à l'Europe, à l'Union Européenne et non pas à la France. Or, la souveraineté appartient à la nation, selon notre constitution, selon notre tradition, selon, notre, selon la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. La souveraineté appartient à la nation. Bon. Et pas à une entité extérieure, dite supérieure à la nation, qui serait l'Union Européenne. Donc, vouloir transférer la souveraineté de la nation à l'Union européenne, c'est trahir son rôle de président de la République française. Bon. Et, et, et c'est réalisé, en fait. Euh, alors, euh, c'est plus ou moins réalisé déjà, déjà dans les textes. Enfin, c'est juridiquement un peu compliqué, mais en tout cas, pas complètement, puisque nous avons encore notre constitution qui affirme que la souveraineté appartient à la nation. Bon. Euh, et, et alors, ambiguïté du souverainisme. Que là, je parle de la souveraineté, mais la souveraineté, vous dites très bien dans, dans votre livre. La souveraineté va de pair avec l'identité. À quoi servirait une souveraineté euh, qui ne serait pas là pour permettre aux si, Français... Si vous permettez, il y a trois, trois notions qu'il faut absolument euh, relier à, à ce niveau-là. C'est la notion de démocratie, c'est la notion de souveraineté et c'est la notion d'identité. Et ces trois, ces trois termes sont reliés par un quatrième qui est le, la notion de peuple. Il n'y a de démocratie que s'il y a un peuple souverain. Or, pour que ce peuple soit souverain, il faut qu'il ait une histoire dont il est chargé et qui lui donne une perspective vers laquelle il veuille avancer. Autrement dit, il doit avoir une identité. Et cette identité est forcément définie par son histoire. Or, l'Europe n'a pas d'histoire. Elle n'a pas d'histoire unique. Chaque peuple européen a des histoires souvent divergentes et opposées. Je vais vous donner un exemple très très simple c'est par exemple l'obsession euh, allemande pour la monnaie. Chacun sait que les Italiens et les Français n'ont pas une obsession pour la monnaie. Et on, et nous, avons tort, ont, ont nous avons passé notre temps. Ils ont temps. Ils ont tort sans aucun doute. Mais nous avons passé notre temps à dévaluer. Et on peut dire aujourd'hui en regardant en arrière que plusieurs de ces dévaluations ont été performantes, ont, 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 ont réussi économiquement à nous redresser. Donc les Français n'ont pas du tout d'obsession euh, en ce qui concerne la monnaie. Les Allemands, oui. Parce que les Allemands ont connu, il y a bien longtemps, mais ça, oh, ça, ça c'est... 1920, dans les années 20 Oui, mais enfin, il, ils ne s'en sont remis qu'avec le la... nazisme. Il faut bien le dire. Hein, ça a duré des... Ça, ça continue à peser sur l'inconscient allemand ce, ce problème de... Les nous n'existons que parce que nous avons une monnaie forte. D'où, évidemment, leur volonté d'avoir un marque fort et puis ensuite un euro fort qui est beaucoup trop fort pour, pour, pour nous. Dont Nous subissons oui, le poids. Euh, c'est la raison pour laquelle, je rappelle ce que je disais, le peuple est essentiel à la démocratie, étymologiquement. Il ne peut exister que s'il a, il a une identité forte. Et bien sûr, c'est cette identité forte qui lui donne la légitimité pour être souverain. Parce que, sachant d'où il vient, il sait où il veut aller. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de démocratie européenne, bien au contraire. Il ne doit pas y avoir de souveraineté européenne, parce que ce serait évidemment une usurpation. Une usurpation par qui par le contraire de la démocratie, par la technocratie euh, européenne. Or, Macron est, le, est véritablement le porte-parole de cette technocratie. Alors, euh, je vous signale quand même, quand vous disiez que l'enjeu européen n'avait pas joué du tout pour les élections européennes euh, en France, il faudrait faire des, des sondages pour vérifier la chose, mais il est probable quand même que ça a joué. C'est-à-dire que les, euh, euh, Macron avait d'abord bien expliqué que l'élection européenne, ça serait un combat entre les progressistes, c'est-à-dire les cosmopolites, en bon français, d'un côté, et les nationalistes ou les populistes de l'autre, c'est-à-dire le Front National, le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Et, euh, et que c'était pour ou contre l'Europe. Donc, une partie de l'électorat de l'UMP, du parti LR, euh, s'est polarisée euh, pour l'Europe. Ceux qui étaient des eurosceptiques ont pu avoir tendance à aller voter pour le Rassemblement National de Bardella, parce que il était euh, considéré comme eurosceptique, euh, moins moins européiste, alors que les plus allants dans, le, dans, le, dans la ligne européiste, pour la supranationalité, euh, n'avaient pas de raison de s'arrêter en mi-chemin euh, pour voter pour le parti LR. Il valait mieux voter pour un parti clairement européiste qui était celui de, de Mme Loiseau et de M. Macron. Et donc il y, a, il y a eu cette polarisation entre pro et anti-européen qui a joué aussi, en plus du, du duel qui a. Euh, qui, qui était une déforme du duel que Macron a réussi oui, je à suis, poser. Je ne suis, suis pas convaincu que, euh, que le Rassemblement national soit identifié comme euh, essentiellement anti-européen. Il est identifié comme le parti intouchable. C'est-à-dire, comme le parti deux, qui est les de l'autre côté les deux, les deux. du cordon sanitaire et que l'on ne doit absolument pas laisser gagner. La preuve, c'est que tout le monde est contre. Que ce soit euh, au Parti Socialiste, que ce soit LREM, que ce soit chez les républicains, la tout le monde est contre. De... On ne veut pas s'allier avec lui. Et donc, les gens réagissent. C'est très frappant dans, dans, les, dans, les, dans les zones euh, de droite. Vous savez, vous m'avez dit que Versailles avait voté LREM. Moi, dans, 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 ma, ré, dans, dans, dans ma région, c'est très frappant. Euh, les communes populaires ont voté Rassemblement National. Pourquoi voter voté assemblée nationale en, en tête, hein, pas, pas, mais en revanche, euh, à marc -en barreul qui est bon une sorte de Neuilly euh, ou de Versailles, comme vous voulez, euh, de, du nord. Versailles, et est bien, là, Versailles est unique. Là, 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 là on a là, là, on a voté bien sûr pour LROM. Or, il faut savoir que euh, je me souviens, euh, dans mon jeune temps, on disait qu'à marc -en barreul on pouvait élire un, un fauteuil surmonté d'une croix de Lorraine. Quoi. Ah ouais. Vous voyez l'évolution quand même. Ah ouais. L'évolution, elle est, elle, est, elle est quand même là. C'est véritablement la peur du Front National, la peur du Rassemblement National. On, on a réussi ah, à créer un est... monstre. Il est... Alors, il est en train de s'adoucir. Moi, je compte je beaucoup sur un une neige. personne pour changer les choses, parce que c'est dans le fond vers elle que beaucoup de regards vont se tourner aujourd'hui. C'est Marion Maréchal. Parce que Marion oh, Maréchal oh, ouais. est celle qui a réussi justement. A laissé supposer qu'il pouvait y avoir une entente entre les conservateurs, ça, c très bien. les libéraux et ça, les patriotes, c'est-à-dire ce qui bien. forme véritablement la droite. S'il si pouvait y avoir cette, cette union de la droite pour laquelle nous plaidons. Je vois euh, que vous ne partagez pas du tout mon enthousiasme. Ben, sur ma Maréchal, non, je crois que c'est une bulle médiatique. Mais, mais celle-ci, <laughs> elle prend des positions qui sont correctes sur l'union de la droite, évidemment. Ouais. Je peux dire le contraire. Alors, non, je, je pense. Pour en revenir au sujet précédent, quand même, euh, non, je pense que les. Dans toute élection, euh, les gens votent quand même euh, pour le sujet qui est celui de l'élection, contrairement à ce qu'on dit trop souvent. Et donc, et donc le, le, la dimension européenne de l'élection n'a pas été absente, euh, elle a été euh, contaminée par des, des sujets qui n'étaient pas, pas l'Europe, mais elle a joué aussi, et elle a joué donc dans cette polarisation entre anti- et pro-européens, euh, donc en, entre la liste purement pro-européenne. Euh, de la République en marche, euh, de Mme Loiseau, et la, et, 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 la, et la liste perçue comme anti-européenne de M. Je, Bardella. Je vais, vous de, 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 je vais me permettre de, de, de donner deux, deux, deux contre-exemples à, à ce que vous dites. Ce euh, sont des pays plus petits, mais il s'agit euh, euh, de la Belgique et de, et de, et de l'Autriche. En Belgique, c'est quand même assez fascinant. Les oui. Belges n'ont absolument pas voté pour ou contre l'Europe, ils ont voté pour ou contre la Belgique. Et il faut savoir que le vote des Flamands et le vote des Wallons a été exactement inverse. Les Wallons ont, comme d'habitude, euh, voté socialiste. Euh, les Flamands ont mis en tête le parti NVA, qui est un parti nationaliste dit modéré, mais c'est quand même un parti qui revendique euh, pratiquement une scission de la Belgique ou un fédéralisme excessif où les Flamands seraient... Pratiquement totalement libre et surtout est arrivé en deuxième position le Vlaams Belang qui lui est nationaliste mais pas du tout non modéré. Mais, euh, je vous arrête donc de, vous voyez non mais, un attendez, très mauvais exemple la Belgique. Bah je vais vous donner l'autre exemple La est Belgique le... est, un, est un, un État qui n'existe enfin une nation bon, qui n'existe pas. Et, et d'autre part qui personne, personne personne en Belgique ne conteste l'Union européenne l'Autriche. Pas... Je vous donne, donne l'exemple de l'Autriche. L'Autriche les gens n'ont pas du tout voté pour ou contre l'Europe. Ils ont voté pour Kurz. Contre le parti qui les avait déçus, c'est-à-dire le FPE. Le FPE a été court-circuité par une affaire tout à fait ridicule d'un homme politique, du vice, du vice, du vice chancelier qui a qui s'était livré à des des discussions incroyables. Ça a été évidemment le résultat de l'élection est complètement conditionné par ça. Je vous ramène une équipe des exemples. je vais revenir sur le sujet. Par exemple, vous prenez l'Espagne. L'Espagne, personne n'a voté contre ou pour ou pour l'Europe. Ils sont tous pour l'Europe, il n'y en a Justement. pas un qui soit contre. Donc, là, contre le problème est réglé. Vos, vos contre-exemples sont voté très contre ou... sont très mauvais oui, parce que parce que vous n'êtes pas d'accord. Pas, pas, pas du tout parce que parce que en Belgique tout le monde est pour l'Union européenne, en, 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 en Espagne aussi et euh, également en Autriche. En plus, l'Autriche c'est comme c'est un peu comme la Belgique d'une autre façon. C'est un pays qui n'existe pas. Je veux dire, c'est un dément revendiqué. Comment l'Autriche n'existe qui... pas or oh — C'est une province de l'Allemagne. — Ah, pas du tout. — L'Hanschluss, c'était parfaitement légitime. — Ah non, pas du tout. Alors là, je... — Éthiquement, ce ah, pas du tout. L'Autriche, une province de l'Allemagne, absolument pas. Sur... — L'Autriche a autant de raisons euh, d'être en dehors de l'Allemagne bah, que, que la, que Suisse, la Bavière. Bah, — Pourquoi la Suisse germanophone jamais... que... ne serait pas allemande, à ce moment-là Pas du tout. — L'histoire l'histoire ah, de l'Autriche est complètement différente. L'Autriche a été à la tête d'un empire catholique. Qui, qui par définition s'opposait à l'Allemagne du Nord, cest l'Allemagne protestante. Inutile de vous dire qu'il n'y a mais aucune vous comparaison. Vous mélangez l'Empire le, austro-hongrois et, et le résidu qui en reste. Ah, oh, le résidu. Qui, le résidu, la, la oh, promesse, Le truc, c'est un résidu C'est un merveilleux pays, le pays. Avec une culture extraordinaire. L'Anschluss, c'était parfaitement légitime, honnêtement. Euh, euh, Je trouve ça complètement illégitime. Je enfin, bon. que si. Enfin, voilà. euh, ou alors, il faut donner l'indépendance à la Bavière. Enfin, euh, voilà euh, non bon euh, si on vous entendait il faudrait que la France annexe euh, d'une part la, euh, la Wallonie oui bah, la Wallonie seulement par la ah flamme, non, pas si, la, Flandre. la Flandre la Flandre aussi ah bon ça alors on, on ce, on serait, les ce serait économiquement ce serait ce serait on plus os, profitable on les obligerait pas. les ce, ce serait plus, ce plus profitable serait pour un grand problème puisque comme disent les wallons le flamand c'est le flamand c'est pas une langue c'est une affection de la gorge ah oh, mon dieu <laughs> alors ça vous allez me faire des amis là honte honte je ne sais pas si je peux continuer cette émission franchement là bon — on, on insulte euh, ah. l'ethnie à laquelle j'appartiens. Vous vous rendez compte ?— C'est une blague. Hein, bah blague — J'entends bien c'est une blague. Une mais c'est une blague, blague déplacée. — C'est pas de moi qui accourt à, à Wallonie. Mmh. Voilà. Mmh. Pour se moquer des flamands. Enfin, en tout cas, <laughs> s'il y a une partie de la Belgique qu'il faudrait annexer, c'est plutôt la Flandre parce que <laughs> les flamands travaillent beaucoup non, moi, et, et, et ont on fait une région riche. Alors que la Wallonie se aussi. perd comme d'habitude dans, hein. dans l'assistance ouais. sociale. Bon, passons. Soyons sérieux. Alors voilà. soyons sérieux. Donc euh, l'identité. Alors l'identité européenne, vous êtes bien d'accord, cher, cher Christian Vaneste, qu'il n'y a pas d'identité européenne. Euh... Si, il y a une identité européenne culturelle, par occidentale. exemple occidentale. Par exemple, nous sommes d'accord. Nous, euh, nous, nous sommes d'accord. Par exemple, les racines chrétiennes, personnellement, je considère qu'il fallait accepter, Chirac s'y est opposé, vous le savez, c'est lui qui s'y est opposé essentiellement, et il fallait accepter l'idée de... Évidente que, que l'Europe a des racines euh, chrétiennes. Mais, pas seulement, d'ailleurs, elle a des mais, racines gréco-chrétiennes. Gréco – gréco Ch chrétiennes. Euh, chrétiennes. Excusez-moi, mais la revendication devrait porter d'abord sur la Constitution française, car mmh. les racines chrétiennes sont aussi celles de la France. Normalement, la Constitution française, mmh, si, si elle n'était pas stupidement maçon, maçonnico-laïciste, euh, devrait, euh, devrait faire référence aux racines chrétiennes de la France. Mmh. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de la Constitution angloise, qui fait référence Absolument. à Dieu, etc. Bon. Euh, Et la raison – Il a raison — Il a raison, Orban. Tout à fait. — Oui, bien, bien sûr. sûr. Non, mais je parle de la Constitution. Je ne suis pas sûr que ce soit Orban qui l'ait fait. — Si, si, si. C'est lui. C'est lui qui a fait. D'accord. — C'est lui qui a donc, introduit il, cette notion il, des racines chrétiennes. — Vous avez raison. Bien je je m'en souviens maintenant. Oui, oui. oui. oui c'est vrai. Euh, alors euh, donc il y a une situation occidentale. Mais ça ne suffit pas pour déterminer euh, euh, l'appartenance de quelqu'un... Communauté nationale. La civilisation ne fait pas la communauté, elle crée des points communs, elle crée des affinités entre tous les pays de la même civilisation. Mais parce euh, parce qu'il n'y a pas d'histoire commune. Parce que, mais il n'y a pas d'identité d'une sorte et alors, de personne qui, qui, qui chargée d'un passé, pourrait construire son avenir. À partir alors, chers auditeurs de Radio auditeur sur la question des civilisations, je vous invite à regarder sur le, le site lesquin.fr ou sur le site natlib.fr. Euh, la théorie des six civilisations du monde contemporain que je, je défends, euh, selon laquelle l'Europe elle-même est divisée en trois aires de civilisation, l'Occident, euh, le monde russe et l'Orient qui inclut les Balkans, euh, y compris la Serbie, mais pas la, pas la, pas la Croatie qui est catholique. Et, sachant que la civilisation occidentale à laquelle nous, Français, nous faisons partie, dont nous faisons partie, s'étend bien sûr à une projection euh, en Amérique, toute l'Amérique, sauf peut-être Haïti, fait partie de la civilisation occidentale. Et bien sûr en Océanie avec euh, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Enfin, Haïti parle français quand même. Hein. Oui, mais enfin, écoutez, non, non. ils sont sortis de la situation occidentale lorsqu'ils ont chassé, exterminé d'ailleurs, vous savez, De Saline a exterminé les blancs. Ça, hein. euh, euh, c'est un, un génocide dont on ne parle pas. C'était euh, seulement quelques, millions de blancs, euh, quelques milliers de blancs. Oui, les planteurs. Euh, vrai. Mais De le, le, Saline, qui est le héros national de Haïti euh, en 1803-1804, donc euh, au moment de l'indépendance, a exterminé hommes, femmes, enfants de race caucasoïde voilà. parce qu'ils étaient le rasco blanche, je suis préféré. Voilà. Le QI moyen d'Haïti en a pris un coup, sans doute. Ça. Sans doute. Et, et pour ceux qui, sont, qui pensent que l'esclavage est une abomination, je vous signale que le premier pays qui a aboli l'esclavage, c'est les Haïti, ne pas. et qui deux siècles après est dans un état épouvantable. Bon, euh, passons. Euh, et donc, euh, alors voilà. Donc la situation occidentale nous fait Beaucoup de points communs avec des pays voisins particuliers. L'Italie, c'est le pays qui est le plus proche de nous, il faut dire. Hein. Mmh. C'est un pays extraordinaire, d'ailleurs. Euh, L'Espagne, même l'Angleterre, est un pays. Euh, enfin, le, le, le Royaume-Uni le Royaume euh, est un pays où un, une collection de pays. Euh, par de... enfin, l'Italie, il y a même un rapport euh, de, 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 de père à de père à enfant, parce que bon, c'est quand même c'est la période romaine qui a qui a, qui a, qui a forgé le, le, le mieux notre notre pays. La preuve, c'est que notre oui, langue, bah, est une langue notre de... langue est une langue latine, une langue, une langue romane, comme les... ouais, d'accord, absolument. Mm. Euh, donc donc euh, bon, euh, l'Occident est une réalité très forte. C'est bien que quand on entend un souverainiste comme euh, Asselineau expliquer que nous sommes plus proches nous Français des Maliens que des laitons, on se dit qu'il n'est jamais là en Lettonie le gars, parce que euh, moi je suis je trouve que par hasard je suis allé l'année dernière à Riga euh, bah, vraiment on se sent, on, on se sent à l'étranger bien sûr, mais on, on, se, on sent qu'on est dans la même civilisation, vraiment, vraiment vous euh, connaissez la Lituanie euh, Moi, c'est l'Estonie, la Lituanie. Je n'ai jamais été arrivée, bah, hein. Vous avez eu la même impression que moi. Ah, oui, oui. Au, nord de, au nord de la Lettonie, c'est l'Estonie, oui. qui ne parle pas une langue européenne les malheureux. Mais non, mais euh, comme les Hongrois. Une et langue fino pour et, être une précis. Une langue et, et au sud, les Lettoniens qui parlent une langue, comme les Lettons, oui. euh, balte, ad-européenne, euh, mais très archaïque, enfin très proche ouais. des, des origines ad-européennes. Bon. Donc. Ça, nous avons une communauté de civilisation, mais qui ne justifie pas euh, la création d'une souveraineté supranationale. Bon. Euh... Vous savez, ce qui est très important, c'est de voir que euh, dans, dans toutes ces dans toutes ces strates finalement de d'identité, il y a toujours une comparaison avec la personne. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez l'essentiel du du, du, du du livre, c'est de dire qu'il oui, n'y a, pas... euh, voilà. a, a pas il il n'y a pas d'identité personnelle s'il n'y a, a pas de rattachement d'une personne à une identité nationale. C'est ça l'idée fondamentale du texte. Parce que, de même que je suis une personne avec mon passé euh, et puis mes projections dans le futur euh, pour ce qu'il en reste, et de la même façon, je ne suis... Responsable de mon destin, que si j'inscris ce destin dans un destin national. Il y a un homme politique qui nous a quitté un peu prématurément, qui avait parfaitement défini ça dans un, dans un discours qu'il avait prononcé au RPR, la grande époque Seguin, du RPR, c'est Philippe Seguin. Philippe Seguin ouais, avait ouais. parfaitement défini ça. Et moi, j'avais vraiment beaucoup apprécié cette idée, qui est dans le alors, fond le fil conducteur alors du livre. Philippe Liban. Seguin a fait, lors du, du débat, là, L'Assemblée nationale sur le traité de Maastricht, qui malheureusement a été adopté. Remarquable. À peu hein, près. Remarquable discours. Euh, remarquable discours dont, dont on a fait un livre. Euh, alors, quel est le titre de ce livre Je ne sais plus. Pour la France, je crois. Mm -hmm. Philippe Séguin. Euh, malheureusement, Philippe Séguin a tout gâché lors, dans, lors, lors de son débat avec Mitterrand, où il a été lamentable. Ouais. Ouais. Il paraît euh, qu'il avait été euh, ému par la situation euh, euh, pathologique de, de, de Mitterrand, qui était entouré de médecins, euh, de, de soins, etc. Voilà. Il paraît qu'il avait. Il n'a pas voulu l'enfoncer. Il a euh, eu tort. Alors je voudrais quand même vous poser une question euh, de mmh. principe, euh, euh, car il y a une certaine ambiguïté dans votre beau livre, L'identité ou la mort, Christian Valleste, mmh. entre la nation et la civilisation. Euh, alors vous citez quelque part le mot bien connu de Paul Valéry, nous, civilisation, nous savons que nous sommes, nous sommes mortels. Euh, vous, vous montrez bien que c'est la France elle-même qui risque de disparaître, euh, charnellement, spirituellement, culturellement avec euh, tous les mots qu'il atteigne. Mais euh, ne pensez-vous pas, première question, euh, Christian Van Est, que c'est la civilisation occidentale en général qui risque d'être submergée ou d'être détruite, à la fois par l'immigration, bien sûr, on, on pense à l'immigration, mais tout simplement par la destruction de, ses, de sa culture euh, qui résulte des coups de boutoir de l'idéologie cosmopolite et de son idéologie de cosmopolitisme, qui s'en prend à la famille, qui s'en prend à l'art, qui s'en prend. Prenez l'exemple de l'art. L'art. La, euh, la, de la peinture, pour parler d'une chose simple. Euh, la peinture occidentale, c'est un, un, un monde de beauté. Or, elle a été. Euh, Vous la... parlez de quoi du, du bleu de Clin euh, euh, Non, mais la, peintre, le... la, 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 la peinture occidentale, euh, euh, pensez, pensez aux toiles de Poussin ou d'Ingres, oui. euh, c'est prodigieux. Et aujourd'hui, euh, c'est la beauté elle-même, la notion elle-même de beauté qui est supprimée, euh, qui est euh, abolie par l'art contemporain, qui est en fait un honneur dégénéré. Pour, c'est pourquoi pour euh... je vais vous citer le bleu de Klein. Bon, le fait qu'on puisse s'extasier comme le faisait Raymond Barr devant le bleu de Klein, j'avoue que moi, ça, ça me stupéfie, parce que je ne vois pas en quoi l'invention invent, de ce bleu pour couvrir toutes sortes de choses a, a, consist, a Alors, constitué euh, un progrès artistique. Je pense qu'au contraire, c'est un, un profond signe de décadence. Oui. Les... les... Quels que soient euh, les critères qui conduisent à ces distinctions, il y a des distinctions essentielles entre le beau et le laid, euh, le vrai et le faux, euh, l'injuste et le juste, le bien et le mal, ouais. euh, le sacré et, et le profane, et ainsi de suite. Et ce sont toutes ces distinctions fondamentales qui sont récusées par, par, par l'idéologie dominante, le cosmopolitisme, non pas d'ailleurs euh, parce qu'on dirait le, le, euh, su, sur les... les, les, les Comment dire Sur le partage entre, entre les valeurs, si, mais sur si, la notion si, même de valeur. Si je peux me permettre de, 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 de répondre. Euh, à, à, la fin, à la fin du livre, je, je réponds d'une certaine manière à, 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 votre, à votre question, en rappelant que cette question de, de l'identité se rattache au plus vieux des débats philosophiques, celui qui euh, opposait euh, Héraclite, Héraclite Parménide. et Parménide. Parménide, c'est le partisan de l'identité effectivement, c'est celui qui pense qu'il y a des essences. Mais nous sommes parméniniens, par par j'espère. Absol absolument. Et, euh, évidemment, euh, l'opposant, c'est Héraclite. Et Héraclite, c'est exactement ce que Benoît XVI euh, définissait comme le relativisme. Le relativisme, c'est-à-dire tout se vaut. Et à partir du moment où l'on dit tout se vaut, tout passe, tout coule, hein, comme, comme disait Héraclite, eh bien, ça veut dire que les, 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 les États... Les nations, les civilisations peuvent couler, effectivement, et que cela est une tragédie qu'il faut à tout prix éviter. Euh, C'est la raison pour laquelle il euh, n'y a pas vraiment d'ambiguïté dans, 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 dans le livre. Hein. Euh, J'estime simplement que comme les civilisations ne sont constituées que par des nations, parce que les nations sont les personnes qui... Constitue la civilisation. Sans ces nations, la civilisation est une pure abstraction. Donc, vous faites disparaître les nations qui sont les piliers de la civilisation la civilisation disparaît évidemment d'autant. Nous, nous, Français, ne pouvons pas défendre la civilisation occidentale autrement qu'en défendant la nation française. Bien sûr. Alors, je voudrais faire une comparaison. Il y a, il y a, des, il y a des nations et des civilisations de taille très différentes et qui parviennent à, à subsister. Il y en a une qui est immense. Euh, c'est la Chine. La Chine, c'est une nation, c'est un peuple, ce sont les Han, euh, et, et, et c'est une civilisation. Et celle-ci subsiste, elle est même en train de retrouver une sorte de supériorité euh, dans, dans le monde à l'heure actuelle, ouais. de retrouver. Je dis bien, elle ne l'a pas encore, mais elle est en, train elle est en, elle est en chemin. Vous avez d'autres pays beaucoup plus petits, je pense à Israël notamment, qui ont survécu euh, même sans État qui ont su sauvegarder leur identité et qui aujourd'hui ont restauré un, un, un État qui est encore en grande partie menacé. Alors ce qui est très surprenant quand vous regardez la situation occidentale, c'est qu'elle a toujours finalement été constituée par des nations un peu rivales. Et dans le fond, le grand mythe fondateur de l'Occident, pour moi, c'est l'Iliade. L'Iliade, ce sont un... les cités grecques ce sont les cités grecques avec leur autonomie leur indépendance leur rivalité leurs héros quelquefois euh, euh, jaloux les uns des autres et eh bien qui gagnent qui font gagner l'occident contre la ville de troie et je pense que c'est un peu un mythe dont les occidentaux aujourd'hui devraient se nourrir c'est grâce à la force des nations à leur indépendance quelquefois à leur rivalité que l'Occident pourra continuer à, à vivre et à s'épanouir. Oui, et grecque, non pas en les fondant dans un magma. L'histoire grecque est intéressante parce que... Euh, alors ce pas l'Occident, ce sont les racines de l'Occident, mais ce n'était pas l'Occident. Mais l'histoire grecque, c'était l'histoire des cités rivales. Mmh. Arrive Alexandre le Grand euh, qui, euh, impose, qui crée un empire. faut qu'il crée un empire. Euh, oui, qui, enfin, qui succède à l'empire des achéménides dont il s'empare en réalité. Parce que l'idée d'empire a été inventée au 6e siècle, siècle avant J.-C. Euh, par Cyrus le Grand et euh, qui a créé l'empire des achéménides qui euh, dans le principe consistait justement, ce principe de l'empire à, à juxtaposer euh, des, des peuples différents euh, sous un ce qu'on appelle dans l'Empire ottoman les millettes, les communautés, sous une autorité suprême, qu'en latin on appelle l'impérium, le, le pouvoir suprême, mais détaché des peuples qui sont soumis à cet impérium. Et euh, le, le point focal de cette notion d'empire, fondée sur l'idéologie cosmopolitique, c'est la rencontre entre Diogène le cynique et Alexandre. Alors, je ne sais, sais pas si cette rencontre est vraie ou si c'est euh, mythique, mais Alexandre le Grand avait dit, paraît-il, si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. Euh, Diogène, c'était le, 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 le philosophe 350 avant Jésus-Christ, donc il vivait dans un tonneau, paraît-il, dans une, une... Diogène le cynique. Diogène le cynique, parce qu'il appartenait à l'école cynique. et Il voulait, et et faut donc, bien rappeler ce que veut dire cynique, c'est-à-dire parce qu'il vivait comme un chien. Et qui rejetait toutes les... Tout, alors Non seulement... C'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre les animaux et les hommes. C'est lui qui a créé, lui qui a créé le, la notion, enfin avec Antistène, mais rentre, ne rentrons pas dans les détails, euh, de cosmopolite, ce qui veut dire en grec cosmopolites, cosmos... le. Le monde, politesse, le citoyen, de cosmopolitesse, un mot grec qui veut dire citoyen du monde. Or, le citoyen du monde, euh, l'expression elle-même est une subraption, un mensonge dans les termes, parce qu'on est forcément citoyen d'une cité. Alors, le monde n'est pas une cité. Une cité, c'est forcément une cité ou une nation, l'équivalent de, 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 de la cité à l'époque moderne, la nation. Elle a une frontière. Sans frontière, il n'y a pas de cité. D'accord. C'est fondamental. Et euh, donc, quand on se dit citoyen du monde, en fait, c'est pour ne pas se dire citoyen de sa vraie cité. Et c'est en fait pour n'être pas citoyen du tout, on est citoyen de nulle part, donc on n'est pas citoyen. Donc c'est une tromperie. Le euh, même n'existe que s'il reconnaît l'existence de l'autre. Voilà. Hein, c'est une, une évidence. Une évidence qui échappe à beaucoup de gens. Et, 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 et l'autre n'est pas forcément un ennemi. Et, hein. et, et ce qui est très fort, qui, bien sûr, ce peut pas un ami, euh, ce qui est très fort d'ailleurs, c'est que ce refus de, de la cité du citoyen du monde, du cosmopolite, qui adhère à cette idéologie fondée il y a 2350 ans euh, par Deugene le cynique, euh, qui a connu beaucoup de variantes, dont certaines ont été un peu édulcorées et améliorées, comme le, celle des stoïciens tardifs, pas les stoïciens d'origine d'ailleurs, euh, le premier stoïcien était à peu près aussi immoraux que, 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 que Diogène, c'est le, le rejet donc, de, la cité, de, de, de la cité en elle-même, de ses lois, mais aussi de ses valeurs et de ses principes. Euh, de sa, de ses principes. Alors, est-ce que vous avez besoin de nous. Alors, nous allons peut-être faire une pause musicale, euh, rapide, et puis nous allons reprendre sur. Euh, à euh, un, euh, un débat général sur l'identité, suivi d'une euh, foire aux questions. Euh, les auditeurs pourront poser les questions qu'ils voudront. Euh, alors, je vous propose de nous mettre un peu de musique, un peu de musique oui. Hein, oui. Euh, pendant deux minutes. Vous pouvez laisser la vidéo pour qu'on nous voit. Euh, euh, et que je, on me voit seulement, Christian Van Alors, permettez-moi, voilà. avant votre départ, Christian oui. Vanest, de rappeler... J'aurais voulu en parler davantage. Hein. Alors, faudra vous, vous intervenir au téléphone. Si et qu'à de, faire de, revenir hein. L'identité <laughs> ben, ou la mort. Alors, écoutez, c'est un livre pff, vraiment euh, fabuleux, hein. fabuleux. Et surtout, j'aurais aimé en discuter parce que je suis pas d'accord avec tout, avec tout, bien entendu, et notamment. Le... Oui, je vous ai trouvé insuffisamment critique pour tout euh, dire. Je m'attendais à, à des critiques beaucoup plus fermes. Mais moi, je m'en veux. Je <laughs> n'ai pas été assez nerveux parce qu'en fait, euh, Christian Vanest euh, parle très bien d'un sujet essentiel, sauf sur. un un chapitre essentiel qui est le fond génétique et, et, et dont la race. C'est un point sur lequel nous ne sommes euh, pas d'accord. Les sociétés, les civilisations, les nations sont des systèmes bioculturels. Et on ne peut pas séparer le fond génétique. Nous sommes nos gènes, nous individuellement, et donc euh, nous sommes nos ancêtres. Il y a un chapitre, il y a un chapitre paresse, Et nous sommes nos ancêtres non seulement parce qu'ils ont transmis... Euh, de bouche à oreille, si je puis dire, leur tradition, leurs valeurs, leurs principes, mais parce qu'ils nous ont transmis nos gènes, d'abord si nos vous gènes, permettez, notre si ADN. Si vous permettez, en ce qui concerne, en ce qui concerne Barès, il euh, y a un très grand rapport entre le livre et la pensée de Barès. Euh, oui, je suis conscient. Euh, C'est un auteur qui est malheureusement oublié. Oh non, oh non bah, En grande partie oublié. Oubliée. Toujours, toujours est-il que, que Barès, vous savez, a commencé par le culte du moi. Barès, Barès était d'abord un, 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 un anarchiste de droite effectivement un, un dandy comme on disait à l'époque euh, esthète euh, et qui euh, ne s'occupait de politique que de façon assez, assez marginale et il a découvert que finalement euh, ce culte du moi conduisait dans le vide que aimer son moi sans que ce moi soit rempli d'autre chose que soi eh bien c'est aimer le vide et par là même il a découvert que dans le fond le culte du moi devait déboucher sur une appropriation par le moi de l'énergie nationale. On... Et c'est la deuxième série de ces livres qui donne tout son sens à l'esprit de Barès. C'est un peu ce que je veux dire. L'énergie voilà. nationale, comme, euh, si vous voulez, manière de, de, de nous protéger contre le grand risque de notre époque qui est le narcissisme. C'est-à-dire l'amour de soi, mais d'un soi complètement Alors on, vide. Peut dire, on peut dire avec Christian Vanest et avec Maurice Barès que le vrai moi, c'est un nous. Absolument. On peut résumer cela en disant. Euh, moi, je, c'est nous, nous pensons oui. que nous, nous. C'est un, un nous assumé euh, par la personne. Euh, ne, ouais. ne serait, euh, il faut être d'une vanité grotesque, le narcissisme, oui. pour croire que euh, on sort euh, tout armé de la tête de Jupiter. Euh, en fait, euh, ne serait-ce que dans notre langue, qu'on a pas, nous sommes l'héritier d'une langue qui était une richesse infinie, mais de, toute une, de tout un ensemble matériel, spirituel, moral, euh, intellectuel, euh, immense. Hein Absolument. dans tous ces domaines euh, nous sommes des héritiers nous sommes des, des, nous sommes des nains jugés sur les épaules des alors, géants simplement le mot et... de la fin si vous permettez euh, bon je, je souhaiterais d'ailleurs peut-être revenir pour que nous, ah bah appro nous approfondissions cette, ce, ce différent entre nous c'est vrai qu'il y a un chapitre où je dis clairement que pour moi l'un des fondements de, de l'identité euh, de la nation c'est le langage et que il y a également l'histoire Race. Mais il y a aussi la religion. Et, et qu'en revanche, qu revanche, qu revanche, il n'y a pas la race. Et bien alors écoutez, voilà. chers amis, je, je vous, allez, vous allez me laisser une minute de plus parce que je vais. Je contre. Non, attendez, contredire, contredir, malicieusement. On ne pas commencer la discussion maintenant. Non, 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 attendez, ça je... je... Contredire par une citation. Ouais. Vous êtes gaulliste. Oui. Or, De Gaulle a dit ceci. C'est très bien. Alors, je ne vais pas limiter Tiso parce que je. je oui, critiquais. je connais la phrase. Je connais mais mais c'est pas parce que vous la connaissez que vous devez la négliger. C'est très bien qu'il y ait des. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait pas la France. Sinon, la France ne serait pas la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. C'était un constat. Mais le, premier au fon... fait... mais le premier haut fonctionnaire, Félix Éboué, qui l'a soutenu, c'était un Noir. Vous avez, vous avez entendu <laughs> ou pas Sinon, la France ne serait plus Bien la France. Plus dans les, dans, 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 une petite minorité. Une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau d'une petite minorité. C'est le problème de, de la un, congoïdisation de la France, l'immigration. C'est un autre sujet. C'est beaucoup, euh... beaucoup plus grave, à mon avis, que l'islamisation de la France. C'est sa congoïdisation. Partage pas votre point de vue voilà. sur ce plan. <laughs> Allez, euh, donc je vous donne rendez-vous après une page musicale dans trois minutes. Profitons de cette pause musicale pour remercier les auditeurs présents. Vous, vous rappelez qu'il est très important d'activer euh, la clochette et de mettre un pouce bleu. Il y a encore beaucoup plus euh, euh, d'auditeurs que de pouces bleus, donc continuez s'il vous plaît. Euh, nous profitons aussi de cette, annonce pour, de cette pause musicale pour vous annoncer euh, la conférence qui aura lieu au Carrefour de l'Horloge, rue de Stockholm, euh, le 27 juin. Euh, je vous donne quelques précisions. Euh, tout de suite. Le 27 juin, donc, c'est Frédéric Lemoyle qui interviendra au Carrefour de l'Horloge rue de Stockholm sur le sujet Le, fas le fascisme mouvement révolutionnaire. Euh, nous vous invitons à vous inscrire à l'événement sur Facebook. Alors, chers amis, euh, chers amis de, de Radio Athéna, nous reprenons notre discussion. Euh, plutôt, nous allons passer euh, aux réponses aux questions, la foire aux questions, euh, comme nous l'avions fait la dernière fois, nous fait la, la dernière fois, euh, sans Christian veneste. Et euh, je donne la, la parole donc à, à Victoire euh, ou à Thierry Marin, peut-être, pour qu'ils nous lisent les questions. Peut-être à Pierre de Tirement, qui pourrait s'installer d'ailleurs ici, euh, pour qu'ils nous lisent les questions. Euh, ils peuvent les commenter même, je vous écoute alors déjà nous allons remercier euh, Nicolas euh, Chelate euh, pour, euh, pour son don sur Youtube ah merci ensuite euh... ah, parce qu'on peut faire aussi des dons sur Youtube c'est ça oui, maintenant, hein oui, on pas a seulement activé... sur Tipeee alors, vous avez plusieurs ouais. façons de donner euh, pour montrer votre attachement à la cause nationale libérale qui est au fond la cause de la France hein. voilà alors, une question d'André Vanville. D'ailleurs, on a plusieurs questions d'André Vanville. Allez-y, lisez, -y, lisez, lisez. Comment conquérir l'électorat jeune à politique qui vote écolo Faut-il investir les questions d'écologie d'un point de vue nationaliste Je pense qu'il faut s'appuyer sur la vérité scientifique. Euh, dénoncer les bobards. Euh, il me paraît difficile de, de vouloir rivaliser avec ces utopistes de l'écologie en en rajoutant. Euh, la plupart des thèmes qui sont défendus aujourd'hui sont soit euh, carrément faux, comme le réchauffement climatique, soit douteux, comme euh, la menace sur la biodiversité ou beaucoup de euh, beaucoup de, beaucoup de commentaires ou de propositions sur la pollution. Euh, actuellement, la, euh, la France est en train de se ruiner par sa politique euh, écologiste. Hein. On multiplie euh, les contraintes de toute nature. Qui représente un coût. Les normes d'isolation, par exemple, qui sont aberrantes, qui augmentent de 10 à 15 avec les autres normes, le coût de la construction des logements. Euh, et, et, et la politique énergétique du gouvernement est une folie. Alors, on interdit, par exemple, la recherche des gaz, des, des, du gaz et du pétrole de schiste, même de la prospection qui permettrait de déterminer si nous avons des réserves de, de gaz et de, de pétrole de schiste. Alors qu'aujourd'hui, les États-Unis. Euh, grâce à, à cette nouvelle technique euh, fondée sur la fracturation, euh, fracturation hydraulique, si je m'abuse, et le, le forage horizontal, réussit aujourd'hui à, à être exportateur de gaz et même bientôt de pétrole. Euh, donc nous avons, euh, nous avons des obscurantistes au pouvoir qui, euh, sur de faux arguments, une politique catastrophique. Alors peut-on faire, doit-on faire une politique écologique raisonnable L'écologie c'est une science. Alors bien entendu, euh, s'il y a des, des vrais, des vrais soucis écologiques, il faut, euh, il faut les, les, les régler ou, ou euh, veiller à ce qu'ils ne portent pas atteinte à l'intérêt national. Nous sommes bien d'accord. Euh, mais il faut surtout démêler le vrai du faux et ne pas se laisser intoxiquer. C'est le cas de le dire. Euh, par cette pollution idéologique euh, qui vient des écologistes et qui la plupart du temps repose sur des mensonges, des faux sens. Et euh, d'ailleurs, c'est plus subtil que ça parce qu'il faut aussi faire des des, des, coûts, euh, des bilans coûts avantage Pour prendre un exemple qui ne relève pas exactement de l'écologie, l'imitation de vitesse. Bon. Alors, euh, les gens sont pour ou contre l'imitation à 80 km à l'heure. Certains adversaires ont cru intelligent de dire que cette limitation ne réduirait pas le nombre de morts. Mais bien sûr que si. Toute limitation plus on diminue la vitesse sur les routes, plus on réduit le nombre des morts. Si on arrive d'ailleurs à la limite à 0 km à l'heure, toutes les voitures sont arrêtées, il n'y a plus d'accident de la route. Euh, simplement, c'est un, un coût il faut faire euh, pardon, un bilan coût-avantage. L'électricité, c'est extrêmement dangereux. Si les écologistes euh, avaient existé au paléolithique, ils auraient interdit la domestication du feu. Le feu, c'est extrêmement dangereux. Combien de gens sont morts, de, sont, sont, sont morts, sont morts brûlés Le feu, c'est très dangereux. L'électricité, c'est très dangereux. Combien de gens sont morts, morts électrocutés Bon. Donc effectivement, la voiture c'est dangereux, mais c'est un moyen de se déplacer. Donc il y a un bilan coût avantage. Et aujourd'hui, on est certainement en dessous de l'optimum économique. Euh, on a trop baissé la limitation de vitesse. Bon. Euh, donc euh, il y a même chose pour la pollution, si vous voulez. Euh, la, la lutte qu'on fait euh, contre les moteurs diesel est une aberration. Euh, il n'y a jamais aussi peu de pollution à Paris euh, au moins depuis deux siècles, hein, euh, parce que, ne serait-ce que parce que maintenant il n'y a plus de, de chauffage au charbon. Bon. Euh, donc, pour l'essentiel, euh, en fait, euh, en vérité, euh, le risque écologique est réduit à pas grand chose aujourd'hui, hein, en fait, euh, si on est objectif. Et si on n'accepte pas, si on si n'est pas crédule et si on n'accepte pas les sottises, oui, euh, Thierry. Mara oui, et puis surtout, on voit que ça, 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 ça s'adresse uniquement aux, aux Européens, aux Occidentaux. Alors que même si on croit, par exemple, que le CO2 euh, fait monter à la température, ce, que, ce, que ce qui est faux, euh, c'est les Chinois qui, qui produisent le plus de CO2. Oui, sûr, Pourtant, oui. on n'attaque jamais les Chinois. Et, et la pollution plastique. dit très bien ça. Et la, ça. La, la, la pollution plastique également. Euh, il suffit de regarder il y, y a des graphiques qui sont disponibles sur Internet il y, y a des études qui ont été faites. 95% des pollutions plastiques viennent euh, de Chine, d'Inde, d'Afrique, d'Asie de l'Est et, et d'Afrique globalement. Pourtant. C est, c est, je, je crois qu'il faut, qu il faut, il faut raison garder et contre les mythes écologiques, il faut, il faut répondre à deux choses. Premièrement, ne pas accepter les mensonges, comme le, le, le bobard le du bobard réchauffement climatique causé par l'homme. Et deuxièmement, même lorsqu'il y a une véritable pollution, un véritable inconvénient écologique, il faut faire le partage, le départ de ce, qui, de ce qui est possible de ce qui est souhaitable. Le principe de précaution euh, appliqué à la limite vous interdirait de sortir dans la rue, puisque vous risquez dans la, dans la rue de recevoir une tuile qui va tomber du toit, ou bien de traverser la rue. Traverser la rue, c'est dangereux, on peut se faire écraser par une voiture. Bon. Tout est dangereux. Tout est dangereux. Euh, on peut se faire écraser par un bus touristique. Mais tout est en même si on est, on est dans la nature, on peut recevoir une météorite sur la tête. Vado, euh, ce n'est pas strictement impossible. Hein. Euh, C'est arrivé en Sibérie récemment. donc euh, voilà. hein À Tcheliabinsk. Voilà, c'était arrivé il y a 10 ans euh, en Sibérie. Énorme, mais bon, alors, si on est au mauvais, mauvais endroit au même moment, euh, ben, on, voilà, on meurt. Donc, il faut faire un bilan coût-avantage, faire des études économiques sérieuses. Autrefois, on appelait ça la rationalisation des choix budgétaires, pour voir ce qui est bon, ce qui est coûteux, ce qui est mauvais, etc. Voilà. Et ne pas partir du principe que du moment que ça un inconvénient, euh, ça n'a pas d'avantage. Euh, cela dit, si on élargit la notion d'écologie à celle d'environnement, c'est peut-être plus intéressant. Alors, il faut défendre notre patrimoine, ne pas laisser, Madame. Euh, Hidalgo, euh, bousiller euh, le paysage parisien, qui a déjà été, excusez-moi, bousillé par la tour Eiffel, vous connaissez ma prévention sur le sujet, euh, en installant une tour triangle, euh, symbole maçonnique, dans le sud de, de Paris. Euh, il faut préserver notre, euh, notre patrimoine, bien sûr, préserver nos paysages le plus possible. On a beaucoup euh, assisté autrefois sur le remembrement agricole qui, qui s'est traduit par des, un désastre écologique. Euh, et puis, euh, dans le même genre, euh, Lorsqu'on parle d'environnement, on oublie un environnement euh, premier, qui est l'environnement humain. Bon, c'est peut-être très bien de garder, de, 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 de protéger euh, les espèces, mais l'espèce, espèce, espèce humaine doit être protégée, les races aussi doivent être protégées, bon. et les peuples aussi doivent être protégés. Donc l'environnement humain, c'est un environnement très important, et l'immigration est une atteinte à notre environnement. Donc la première politique de l'environnement, c'est une politique anti-immigration. Qu'en pensez-vous, Thierry -Marin ah, Je suis totalement d'accord avec vous. <laughs> Non mais euh, ça a l'air idiot mais, mais alors, Non mais c'est totalement vrai -ce les... D'ailleurs Chirac avait dit un truc de ce genre un jour importé euh, par la démagogie Mais là en l'occurrence la démagogie le faisait dire la vérité il a dit mais lorsque vous, habitez, lorsque vous habitez quelque part et qu'à côté votre voisin immigrait euh, il égorge le bouton dans, 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 dans la cage d'escalier avec le bruit, les odeurs, vous vous rendez compte c'est infernal bon euh, le lorsque deux populations de cultures différentes cohabitent ce n'est pas forcément que l'une est meilleure que l'autre c'est simplement qu'elles ont des usages différents que ce qui est considéré comme normal euh, pour l'un euh, n'est pas normal et bon pour l'autre. Même en France, quand on va du nord au sud, aller de Lille à Nice, vous verrez la différence culturelle. Euh, le, le, le gars qui arrive du Nord, il trouve que le, le type du midi, euh, il s'agite, etc., et il est pénible. Euh, euh, Jean, Jean Laporte, par exemple, est charmant, mais et, et, il a de la faconde, et là, 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 il, il bavarde. Et puis, 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 puis les gens du midi disent putain euh, comme signe de ponctuation quoi, dans chaque phrase. Quoi. Euh, non Je me trompe Non Jean Laporte. Putain, c'est pas un bon français, ce n'est pas un signe de ponctuation, putain. Hein. Et j'aimerais dire que cela ne s'applique pas à moi. <laughs> mais je ne. Oh. oh, oh je vous ai entendu une fois dire, ah, putain, alors. Euh... <laughs> ah, mais parfois le naturel revient au galop, mais. Euh... <laughs> mais effectivement, euh, c'est un trait qu'on trouve, qu'on retrouve dans. Ah, dans là, sud, ouais. Franchement, euh, non, mais attendez, euh, putain, comme signe de ponctuation, c'est insupportable. Hein, bon. Alors, là, vraiment, euh, vive Simon de Montfort, hein. Euh... Ouais, c'est un grand homme. Bon, euh, là, je provoque un peu les gens du sud, du hein. sud de la France. <laughs> <laughs> J'espère que la... vous ne défendez pas les Qatars quand même. Non, non. Mais bon, parce que c'est un autre sujet. Euh... <laughs> à moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur, sur l'environnement, l'écologie... Il euh... y vous a avez tant à dire, pardon Vous avez tout dit. dit... <laughs> dit. Bon, crois que dit aussi le bruit-odeur, c'est... Le bruit-odeur, oui. Non, mais il faut protéger la biodiversité euh, des le peuples, peuples européens. européens hein. ah, il voilà. n'y a pas de peuple européen, je vous signale. Hein. Des peuples européens. Ah, les peuples occidentaux, disons. Ouais. Oui. Oui. Alors une question de Vincent Sarla rejetez-vous le talmud? le talmud, pardon? qui tient les non-juifs pour des bêtes? Alors, je ne suis pas juif, donc je le rejette d'abord. Euh, en tant que chrétien et non juif, je rejette forcément le talmud, puisque c'est une... c'est le livre sacré euh, d'une religion raciste qui considère que les non-juifs sont équivalents des bêtes. Bon. si vous voulez vous, vous faire une doctrine sur la question, je vous conseille de lire le, la notice wikipédia du grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef. Y o, -S -E -F. Y -O -S -E -F. Alors, lisez plutôt en anglais si vous parlez anglais, parce que la notice euh, Wikipédia en français est édulcorée, plus courte, et la notice Wikipédia en anglais est extrêmement longue. Mais allez directement à la partie polémique, et vous verrez que ce grand rabbin, grand rabbin d'Israël, alors plus précisément, je vais être rigoureux, il était grand rabbin sapharad d'Israël pendant 8 ans, parce qu'on ne pouvait pas l'être davantage. Il est mort en 2012. Et il a été considéré de son vivant comme la plus grande autorité rabbinique pour l'interprétation du Talmud, le livre sacré des juifs, du judaïsme actuel, qui n'est pas la Bible, contrairement à ce qu'on croit, c'est le Talmud, qui est au-dessus de la Bible. Euh... Eh bien, dans la partie polémique, vous verrez les déclarations explicites du grand rabbin d'Israël, et Yosef, il dit « les non-juifs, les goyim, terme de mépris, les non-juifs, ne sont nés que pour servir les juifs ». Ça vous paraître énorme, mais c'est vrai, L'interprétation correcte du Talmud, c'est que les non-juifs ne sont nés que pour servir les juifs. Ce qui est peu acceptable pour un non-juif comme vous et moi. Hein. Euh, et euh, et euh, il ajoute, d'ailleurs, il compare les, les non-juifs à des ânes. Hein, vous voyez et D'ailleurs, la, la théorie du Talmud est, est très compréhensible. Euh, elle est soutenue par. Euh, elle est soutenue en fait par les rabbins les plus, les, 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 les plus extrémistes parce qu'ils sont les plus... Euh, les plus sincères, euh, ils se démasquent. Ils ne font pas de taquilla au sens euh, talmudique. Euh, C'est que seuls les juifs obéissent à la loi divine, la Torah. Les non-juifs, goyim, au pluriel, au pluriel de goy), euh, n'obéissent qu'à la loi naturelle, la loi de nature, comme les animaux. Donc la différence, l'écart qui sépare les non-juifs des juifs est bien supérieur à celui qui sépare les non-juifs des bêtes. Et donc il y a dit quelque part dans le Talmud que les non-juifs sont assimilables à des bêtes. Bon. Donc c'est une religion raciste. Donc non seulement moi, je, moi qui suis euh, non-juif, même si j'étais juif d'ailleurs je renierais le Talmud parce que c'est tellement abominable et stupide euh, que je le rejetterais. Euh, donc j'invite les juifs qui nous écoutent, les Français juifs euh, qui sont de bons Français, à rejeter le Talmud, au moins toute cette partie euh, du Talmud qui en fait l'essentiel, à vrai dire l'essence du Talmud qui est profondément raciste. Le, le Talmud donc euh, est raciste et euh, il faut aller d'ailleurs... Euh... Au-delà, la théorie du peuple élu qui est raciste. La théorie du peuple élu sur laquelle les juifs constitueraient un peuple et ce peuple serait un peuple élu, euh, qui est un, le corollaire de cette euh, définition du, du juif comme étant le seul homme véritable, les non-juifs étant assimilables à des bêtes, c'est profondément raciste. Alors il faut savoir qu'Ovadia Yosef, le grand rabbin Ovadia Yosef, qui est mort en 2012, était tellement populaire que 10% de la population israélienne a assisté à ses obsèques. Vous voyez ce que c'est c'est incontestable quand les, 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 les gens, les gens, les, les gens qui font de, 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 des informations qui mentent sur le Talmud, vous dites c'est pas vrai, c'est les fausses citations du Talmud. Mais c'est ridicule. Ça ne fait aucun doute, c'est la vérité. La preuve c'est que le grand rabbin va Yosef, qui est le meilleur interprète du Talmud, l'a bien dit. Bon, donc c'est incontestable, incontestable. Euh, alors il faut voir que, il faut voir aussi à ce propos que le judaïsme, ce que j'ai dit d'ailleurs dans un article qui s'appelle, je crois, le mythe du christianisme. Est beaucoup plus proche, le judaïsme actuel est beaucoup plus proche de l'islam que du christianisme. Le judaïsme actuel, c'est celui des pharisiens dont parle l'évangile, ce n'est pas le judaïsme sacerdotal de l'Antiquité qui a disparu après la chute du Temple en 70 après Jésus-Christ. Et euh, d'ailleurs, c'est simple, le, les, juifs comme les, les juifs religieux comme les, les musulmans pratiquent la circoncision des enfants. Euh, refuse de manger du porc euh, et pratique euh, des rites alimentaires cachés ou halal qui sont pratiquement identiques, euh, pratique l'égorgement rituel des malheureuses bêtes, qui leur inflige une torture épouvantable, en vertu des rites euh, halal et cachers et puis également impose euh, ce qui est mal connu, ce qui est méconnu, la ségrégation funéraire, c'est-à-dire que les défunts ne doivent pas être enterrés avec des non-juifs ou avec des non-musulmans, ce qui est contraire à la loi républicaine et ce qui a été autorisé, contrairement à la loi républicaine, euh, par une circulaire de Poniatowski, en 1976, je crois, qui autorise les maires à créer des, 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 des carrés musulmans ou des carrés juifs dans les cimetières municipaux. Ce qui va contre la loi elle-même, euh, la loi républicaine. Donc là, une circulaire a violé la loi. Euh, donc le, le judaïsme talmudique, le judaïsme actuel, celui du grand rabbin Haïm Korsia, est une religion orientale, isomorphe de l'islam. On peut dire, pour résumer, euh, que. Le judaïsme actuel est un islam raciste et que l'islam est un judaïsme universaliste. J'espère que ma réponse est assez complète, Victor. Oui, je pense aussi. Euh, une question de D'André Vanville. Comment le RN pourra-t-il remporter les prochaines élections sans alliés maintenant que la rupture avec Nicolas Dupont-Aignan est consommée? Alors c'est un grand sujet, je n'ai pas eu le temps d'en discuter en détail avec Christian Vaness, mais c'est vrai, c'est vrai que nos, la grande inquiétude qu'on peut avoir, c'est que euh, on est à second tour euh, Marine Le Pen, euh, euh, Emmanuel Macron euh, comme en, en 2022 comme en le, 2017 et que donc Emmanuel Macron sera encore réélu pour 5 ans. Il sera réélu pour cinq ans. Alors je dirais que euh, pour éviter cela, pour éviter cela, bah, la première chose, c'est que à mon corps défendant, je vais mettre la pédale douce sur les critiques à l'égard de Marine Le Pen, parce que je souhaite que si nous nous trouvons dans cette situation, elle puisse gagner. Euh, il était évident en 2017 qu'elle n'avait aucune chance de gagner. En 2022, on ne sait pas ce qui peut se passer. Euh, Macron peut être quand même très, très impopulaire. Et euh, la poussée populiste peut faire que peut-être elle a une chance. Alors, euh, je le dis une dernière fois, Marine Le Pen est très critiquable. Mais infiniment moins que Macron. Elle n'est pas, comme Macron, euh, le représentant ou, la, ou le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite. Par conséquent, s'il a une chance de gagner contre Macron, il faut lui laisser cette chance. Et donc, à mon corps défendant, je vais m'abstenir de critiquer. Oh, Peut-être que parfois ça m'échappera, mais le moins possible, <laughs> le Rassemblement National et Marine Le Pen, parce que si c'est elle qui doit être contre, euh, contre Macron au second tour, bah, il faut qu'elle puisse gagner. Voilà. Donc, nous sommes en 2000, 2019. Euh, nous avons trois ans. Il faut pendant 3 ans l'aménager. Euh, alors, à moins, évidemment, qu'il y ait euh, un retournement de situation et que le, le Parti des Républicains se métamorphose, trouve un, un représentant convenable euh, qui soit euh, vraiment crédible, qui puisse gagner, à ce moment-là, nous nous retrouvons dans la même situation, situation qu'en 2017. Mais là, là vraiment, pour l'instant, en tout cas, euh, dans la configuration actuelle, il n'y a personne en dehors que Marine Le Pen qui puisse arriver au grand tour. Et donc je pense qu'il faut, il faut essayer de faire en sorte qu'elle puisse gagner contre Macron, sachant que les choses peuvent changer entre 2017, 2019 et 2022. Sachant que là, il y, a, il y a eu des articles qui sont parus disant que 60% des électeurs de la France insoumise changeraient leur vote et voteraient pour Marine Le Pen si euh, en 2022, justement. Donc la, voilà. la gauche euh, gilet jaune, un peu. Voilà, donc il faut, il faut vraiment laisser sa chance à Marine Le Pen. Encore une fois, je ne, je ne fonde pas de grands espoirs dans elle. Si n'est l'espoir, quand même, un peu ténu, mais réel, qu'elle puisse battre Macron la prochaine fois. Voilà. Donc je vous invite à faire comme moi. Si, si vous pensez que Marine Le Pen n'est pas géniale, eh bien, il faut, il faut moins le dire maintenant. Hein, parce qu'il ne faut pas lui ôter ses chances. Quoi. Il faut vraiment. Euh... Alors d'autre part, part euh, les élections européennes, on aurait pu le dire, euh, on aurait pu le dire tout à l'heure, mais ont permis l'émergence de, de Bardella, qui est quand même un espoir pour l'avenir. Hein. Il n'a que 23 ans. Alors, est, évidemment, dans 3 ans, il n'aura que 26 ans, il sera trop jeune pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Mais euh, en 2027, il, est, il aura donc euh, 5 ans de plus, euh, 8 ans de plus. Euh, Peut-être qu'en 2027, il pourra succéder Marine Le Pen lorsqu'elle a été élue présidente de la République en 2022. C'est loin, 2022. <laughs> nous, nous faisons des plans sur la comète. Oui, mais, mais écoutez, pour euh, l'histoire de, de l'humanité, l'histoire de France, euh, la, la France existe comme nation depuis le 11e siècle, depuis mmh. mille ans. Hein. Donc, après tout, euh, si nous si si ne pensons pas à notre, à notre vie misérable, mais à la scène de la France, euh, 2027, c'est demain. Hein euh, une question de Lucien Le Guélec Que répondre aux nationalistes qui voudraient s'aborder euh, intér les intérêts économiques français en Afrique pour couper tout lien avec ce continent qu'ils ne supportent plus ils veulent notamment ne plus entendre parler du prétendu pillage des richesses et prouver leur bonne foi en montrant qu'ils n'ont pas besoin de l'Afrique du tout. C'est un raisonnement complètement idiot, il est pas... C'est un raisonnement de candole, en fait. Hein. Parce qu'on rentre dans le raisonnement de l'adversaire en acceptant. maintenant non, nous, nous pas, n'avons pas accepté ce raisonnement. Il faut dire, quand on est nationaliste, que, d'une part, que la, tous ces pays d'Afrique noire ont énormément bénéficié de la colonisation, de, de, de la colonisation française, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure, et, deuxièmement, que, globalement, euh, si euh, l'Afrique noire euh, ne, ne se porte pas toujours très bien, ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute de ces mauvais dirigeants. Bon, euh, qui, qui ont mal gouverné après l'indépendance. Donc, le pillage de l'Afrique est un mensonge. Euh, la France apporte beaucoup à l'Afrique, elle ne la pille pas. Et, et donc, euh, il, faut, il faut dénoncer, au contraire, les, les, les mauvais nationalistes ou les faux nationalistes qui se soumettent, je le répète, comme des vulgaires candoles aux idées perverses de la gauche. Surtout que il, 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 fin, les, les Africains eux-mêmes ne voudront pas, enfin, ils ne seront pas intéressés par le fait qu'on arrête d'acheter leurs produits. Donc, euh, c'est dans leur intérêt aussi. En plus, oui, alors, on pourrait arrêter. ça un bon argument. En fait, en plus, nous avons intérêt... Euh, nous pourrions en réalité, si nous avions une volonté politique suffisante, euh, arrêter l'immigration et engager la réémigration, c'est-à-dire l'inversion des flux migratoires. Euh, mais il est certain que euh, le développement économique de l'Afrique, euh, auquel contribue nos, le commerce que nous avons et l'aide que nous, nous lui apportons, euh, réduit la pression migratoire. Donc, euh, voilà. Une question d'André Vanville. Croyez-vous à un retour de Nicolas Sarkozy en 2022 Écoutez, je ne suis pas devant. Euh, je, je, D'abord, j'espère que non. Hein Sarkozy est, une, est épouvantable. Euh, je le sais depuis longtemps. Euh, C'est une catastrophe, un escroc. Euh, et je, il y a une bonne chance qu'il ne puisse pas parce qu'il a contre lui plusieurs affaires judiciaires graves. Euh, il va être envoyé, euh, devant le, selon toute probabilité, devant le tribunal correctionnel pour l'affaire Big Malion, pour l'affaire du dépassement de son compte de campagne. Euh, en chiffre rond, si vous voulez, il avait été limité à 20 millions d'euros, de, il en est passé 40, est, euh, euh, part, il a dépensé 40. Et d'autre part, il a une affaire de trafic d'influence et de corruption grave, c'est l'affaire Aziber, euh, où là, les, les charges sont terribles contre lui. Alors, il est possible que l'affaire Kadhafi n'aboutisse pas à faute de preuves tangibles, mais l'affaire Azibert, là, on a toutes les preuves. Vous avez lu, comme moi, peut-être, les, les enregistrements qui ont été faits. Euh, sur le téléphone de, mobile de Paul Bismuth parce que vous savez qu'il a, a, pour parler avec son avocat il avait pris euh, lui et son avocat Monsieur Herzog euh, avaient pris euh, d'autres téléphones sous d'autres noms et, et, et le, le nom de Monsieur Sarkozy sur téléphone c'était euh, Paul Bismuth Paul Bismuth étant un juif installé en Israël d'ailleurs euh, qui avait prêté son nom aimablement mais la police a été forte, elle a retrouvé euh, que le, le Paul VIII, en fait, c'était Nicolas Sarkozy. Et comme il se croyait euh, dans l'impunité, bah, il s'est exprimé librement. Et les, euh, les enregistrements sont euh, concernants. Ça montre bien qu'il y a eu une tentative euh, d'influence, donc un trafic d'influence, une tentative de corruption de M. Azibert au magistrat, euh, au procureur, euh, à la Cour de cassation, euh, à la fois pour obtenir de l'information, et pis encore, pour influencer sur le jugement que devait rendre euh, le cours de cassation. Donc là, à mon avis, il est mal barré, et donc il y a de bonnes chances qu'il soit, sous le coup de ce procès, peut-être condamné, il devrait être condamné, logiquement, à l'inéligibilité, ce qui l'empêcherait de se présenter. Une question de Thomas Wertz. Euh, Pouvez-vous résumer rapidement la politique du vivant résumer rapidement la politique du verre. La politique du verre est un livre que nous allons rééditer euh, avec Pierre de Tirement, euh, qui a été publié en 1979 et qui euh, développe une conception de l'homme fondée sur les sciences de la vie, en montrant que les idées de la gauche, cosmopolite ou collectiviste, justement, euh, sont contraires aux progrès, euh, sont contraires aux acquis définitifs des sciences de la vie, de la biologie, de l'éthologie, biologie sous toutes ses formes, L'homme est riche d'instincts, ce n'est pas une page blanche, et notamment il a un instinct d'agressivité qui est extrêmement puissant, qui est à la source non seulement des guerres, bien sûr, des violences, mais également de sa créativité. Et... et cela fait de l'homme un être libre qui a besoin de s'insérer dans, une... dans un ensemble communautaire, puisqu'il est, comme disait Arnold de Ghelen, par nature, un être de culture. Comme il est riche d'instincts, il a besoin des disciplines de la civilisation, de la culture, pour réaliser sa personnalité, pour développer sa personnalité, pour la former. Donc il y a une interaction complète entre les instincts qui sont dans nos gènes, notre ADN, lequel est formé depuis la conception, et puis la société à laquelle nous appartenons, qui a commencé par la société familiale, la petite société, qui nous donne des disciplines qui nous permettent de devenir des individus libres. Euh, une question de Nicolas Logothétis. Un mot sur la débâcle des Républicains et la démission de Vauquier. Excellent. Un mot. Un mot, un mot. <laughs> non, mais alors un mot, un deuxième mot, Candole, voilà. Candole. <laughs> euh, c'est la, la chute des Candoles que j'ai dénoncée comme telle euh, face au cosmopolites. Euh, le Candole, c'est un, une espèce de cosmopolite euh, planqué, euh, inavoué. Euh, et regardez ma, ma vidéo euh, Bel ami René Candolle, vous verrez de qui il s'agit en réalité. Ce bel ami qu'on nous a présenté comme un homme de droite. Euh, le gars, il, il dit euh, Je suis contre l'avortement. Euh, non, enfin, on dit qu'il est contre l'avortement, mais quand on lui demande Qu'est-ce euh, qu que vous pensez de l'avortement Il dit ah, bah, Tout le monde connaît ma position sur le sujet. Il n'est pas capable de dire Je suis contre l'avortement. Euh, C'est. Vraiment, euh, j ai, j ai, une expression grossière me venait à l'esprit, mais heureusement, je ne la dirai pas, parce que Jean Laporte me conspirait Et, et le pire, c'est que la conclusion de, de cette débat, c'est qu'on euh, le considère comme trop à droite. Alors, alors, oui, donc, Les Républicains dire, qui ça. se rallient à alors, Macron maintenant... Alors en fait, ils n'ont rien... Ces abrutis, ils sont d'une bêtise. Le, 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 le Parti LR était pris en étau entre le Rassemblement National et La République En Marche. Pour desserrer l'étau, il fallait qu'il tapasse à mort sur la République en marche, et Macron. À mort À mort C'est comme... comme ça que ça marche, c'est comme ça que Bolsonaro a gagné, c'est comme ça que Trump a gagné, c'est comme... comme ça que Salvini a gagné. Euh, bon. dans, la dans la situation stratégique où ils étaient, il fallait qu'ils à mort, ce qui leur permettait en plus de récupérer, à partir de 2017, une bonne partie de l'électorat du Front National, au Rassemblement National, qui était euh, débilité, par la, ou euh, déprimé, par l'échec de Marine Le Pen. Donc, il fallait faire ça. Voilà. Il fallait faire ça, et, mais ce n'est pas une, une, une position, une attitude de candole. Euh, C'est une attitude énergique d'homme de droite qui assume d'être vraiment à droite en disant ⁇ Moi, je suis à droite ⁇ Et ils auraient pu faire concurrence au Front national en disant ⁇ Mais ces gens-là, ils veulent augmenter les impôts. ⁇ Ils ne sont, voilà, bon, euh, sont, sont pas vraiment... Pour récupérer l'électorat de droite, parce que les électeurs du Front national sont de droite, contrairement à ce que croit euh, Marine Le Pen. Mais est-ce qu'il y avait peut-être le risque euh, qu'on leur dise que, voilà, ils font ça pour les élections et que derrière ils ne feront rien, comme Sarkozy l'avait fait là. Bah oui, ça. mais ça a toujours marché quand même. Mmh. Hein. Oui, ça a marché. <rire> <rire> pas cette fois. <rire> <rire> Honnêtement, ça, ça pouvait marcher encore une fois, et puis surtout, vous espérer qu'il le ferait vraiment. Euh, voilà, bon, mais ça, évidemment, bon. Euh, malheureusement, euh, nous parlions de Chirac tout à l'heure, mais Chirac avait bien répété une, une devise. Chirac est passe quoi pour montrer le, le cynisme de ces gens-là Une devise de. Je crois qu'elle remonte à, à Maurice Coy, et il me semble. Promesses les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Les mmh. Les promesses. Non, non, la, la, la phrase, non, la, non, la phrase est authentique, c'est Les promesses s'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà. Euh, vérifier, mais il me semble bien. C'est Cueil, Henri Cueil, euh, qui était, qui était un, un homme de la 4 République, radical socialiste, me semble-t-il, et qui était euh, à, à, qui abondait en excellente formule. Par exemple, il disait Il n'y avait pas de problème si compliqué qui ne se résolve tout seul quand on ne s'en occupe pas. <laughs> c'était, oui, c'était une, 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 une étude d'homme d'État. C'est la politique de Macron. Euh... Plutôt que de. Il avait les cartes en main, il avait la, le Parlement pour. Euh, L'Assemblée nationale pour euh, passer des lois, et puis au final, il n'a rien fait. Euh, C'est une petite simulacre et... de faire croire, euh, les, les, les médias répètent après lui, qu'il fait une grande politique de réforme alors qu'il ne fait que des réformettes. Il n'a pas brûlé le code du travail, il a, il a modifié des détails du code du travail, c'est vrai qu'il n'a pas changé grand-chose. Alors évidemment, ça a un peu amélioré peut-être hein, en assouplissant légèrement. Et encore, ce, ce, sont, ce sont des cotères sur une jambe de bois, honnêtement. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Donc on est vraiment dans le, dans le détail, euh, et pas du tout dans les réformes véritables hein, dont la France aurait besoin. Euh, le, 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 la, la réforme véritable dont la France aurait besoin, d'ailleurs, la première réforme économique, c'est de réduire les dépenses publiques. Nous sommes à 56, 57% de dépenses publiques, 46-47% de prélèvements obligatoires. Euh, et donc il faut évidemment tailler. Et une, une façon simple de tailler, qui est particulièrement nationale et libérale, consistera à supprimer l'argent qu'on verse aux immigrés. Hein quelle, quelle on les... commence par supprimer les allocations familiales pour les immigrés. Déjà, on, fait, on économise quelques milliards d'euros. Quelles seraient les, les premières mesures qu'il faudrait mettre en place pour justement réduire les dépenses publiques ah bah Celle-là. Celle-là. Supprimer l'aide médicale de l'État, supprimer toutes les aides aux immigrés. Euh, tout, 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 enfin, euh, les immigrés légaux doivent bénéficier, dans la mesure où ils cotisent, des aides médicales, de, 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 de l'assurance maladie. Euh, mais il faut euh, euh, ne pas leur offrir de, de logement subventionné par l'État qui, qui se logent leurs frais, euh, voilà, euh, et pas dans des HLM et ainsi de suite. Vous voyez, euh, en faisant déjà des économies sur le, le coût de l'immigration, qui est gigantesque, qui était chiffré à des 50 ou 60, qui doit être maintenant 80 milliards d'euros, euh, on pourrait déjà faire du national libéralisme simple, efficace, et qui euh, ferait plaisir aux électeurs français. Vous voyez et on aurait un double avantage. Alors ça ne suffirait pas parce que le socialisme est tel qu'il faudrait aller au-delà. Mais déjà, dans un premier temps, c'est ce qui est le plus facile à faire politiquement. Alors politiquement, pour l'électorat, pas pour l'oligarchie la, la cosmopolite et pas pour les médias cosmopolites qui poseraient des hurlements. Voilà. Voilà. Euh, une question de Maxime Bélanger. Pensez-vous que la France va disparaître Que pensez des jeunes Gaulois qui s'expatrient car ils ne supportent plus de vivre dans un pays qui n'est plus le leur et qui ne leur ressemble plus alors, je, la, France, non, la France peut disparaître, c'est le thème du livre de, de Christian Van L'identité ou, ou, ou la mort. L'histoire est, est un cimetière de civilisation, c'est aussi un cimetière de peuples disparus. Euh, vous savez que le grand remplacement, expression inventée par Martin Pelletier, euh, que reprend euh, Christian Van et qui a été popularisé par, euh, par Renaud Camus, euh, bah, c'est une situation qu'on a bien connue dans l'histoire. L'exemple auquel il faut penser tout de suite. C'est celui de la Turquie. La Turquie, la République de Turquie, capitale Ankara. Elle est aujourd'hui peuplée de 85% de Turcs et de 15% de Kurdes. Bon. Les, les non-Kurdes et non-Turcs doivent faire à peu près 0,1% de, de la population, enfin très peu de choses. Bon. Mais en l'an 1000, il n'y avait pas un seul Turc en Anatolie. Dans ce qui est actuellement la République de Turquie, de Turquie, il y a 1000 ans, il n'y avait pas de Turcs. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Et les, et les Kurdes. Bon, c'est ce que s'appelle le, le grand emplacement. Voilà. Et d'ailleurs, les, les, tous, les, tous les peuples turquifiés, euh, les, tous les, les, les peuples enfin, les, toutes les nations turques, euh, l'Azerbaïdjan, euh, euh, Ouzbékistan, le Turkmékistan, euh, Kazakhstan, ont été turquifiés aussi euh, depuis 1000 ou 1200 ans. Euh, donc, le grand remplacement dans l'histoire, c'est très courant, malheureusement. Euh, alors, il se fait, il se fait euh, par absorption, parce qu'en fait, il se fait aussi beaucoup par métissage. Hein. Les, les Turcs n'ont pas. Ils ont exterminé les hommes, en général, et pris les femmes. Oui, C'est un bon truc, ça, pour euh, se développer. Dans l'histoire, c'est ce que faisaient les Zoulous aussi, et, qui ont conquis euh, la moitié de ce qui est actuellement l'Afrique du Sud, euh, avant que les. Ils euh, prenaient un village, ils tuaient tous les hommes. Alors, les enfants, ils euh, gardaient moins les petites filles, les petits garçons, pas forcément, euh, et puis les, les femmes, voilà. Et comme ça, alors, on peut, alors évidemment, les, les, les Turcs, pour prendre cet exemple, les Turcs qui étaient mongoloïdes à l'origine, puis il y a ans, ils étaient tous mongoloïdes, euh, vraiment, euh, pommes pommettes saillantes, yeux bridés, peaux jaunes, hein, comme les Mongols d'aujourd'hui. et bien, ils se sont métissés de plus en plus en allant vers l'ouest, à tel point qu'aujourd'hui, euh, les, les, les Turcs d'Anatolie, euh, l'Asie mineure, la République de Turquie, euh, hors, Asie, euh, hors, hors Turquie d'Europe, euh, sont quasiment caucasoïdes, enfin, ils sont caucasoïdes à 90%. Ils le sont au moins tant que les Russes. Encore une ou deux questions peut-être pas que ensuite. On va faire... euh, oui, une question d'André Vanville. Pensez-vous que Spinoza avait rejeté le Talmud qui tient les non juifs pour des bêtes <laughs> Alors Spinoza avait sûrement, absolument, Spinoza, Spinoza avait été d'ailleurs, il, euh, il, il avait été, rejeté par sa communauté juive. Euh, on avait lancé contre lui le, le RM, le RM, c'est-à-dire l'excommunication, parce que parce qu'il euh, il défendait une doctrine qui n'était pas du tout euh, conforme. Alors, cela dit, euh, Spinoza était resté... Euh, euh, Spinoza est un des grands euh, est, est un des grands euh, subversifs, euh, de l'histoire. Euh, dans dans l'histoire euh, de l'Occident, les trois plus grands promoteurs de la subversion de l'Occident sont au 16e siècle, pardon, au XVIIe siècle, Baruch Spinoza. Au 19e siècle, Karl Marx. Au, au 20e siècle, Sigmund Freud. Ils avaient un point commun. Ils étaient juifs tous les trois. Euh, Spinoza leur dit mais pourquoi Parce que Spinoza lisait La crise de la conscience européenne de Paul Hazard. Vous verrez que Spinoza a eu une influence philosophique considérable. Il s'est appuyé sur le déterminisme pour nier la liberté humaine et donc pour nier la morale. Donc, euh, la philosophie de Spinoza, de Spinoza est complètement euh, immorale. Euh, C'est une, une négation philosophique de la morale qui a joué un, un rôle énorme euh, dans, euh, dans la subversion qui a aboutit à la Révolution française et au-delà. Voilà. Alors, une question d'Edouard Gavarni. Avez-vous parlé du fait que la droite, RN, LR, DLF, a fait un très petit résultat L'échiquier poétique semble s'être déplacé à gauche. Alors, nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est une très bonne question. Quand on regarde quand on fait les totaux, euh, en fait, tout des, euh, ce qui est troublant, si vous voulez, c'est que euh, y a, euh, qu il, euh, les partis officiellement de gauche qui se disent de gauche, et seulement de gauche, j'ai fait le total, ça fait 18%. Mais en fait, en réalité, il faut ajouter les écolos, 13%, et il faut ajouter la, il faut ajouter la, 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 la France en marche, euh, la République en marche, pardon, euh, donc euh, 20%, et au total, on arrive à plus de 50% si on compte vraiment tout ce qui est idéologiquement à gauche. Seulement, euh, une partie des électeurs de l'écologie euh, sont des gens de droite qui sont euh, trompés par les, les, les thèmes écologiques. Hein. Une partie, non négligeable. Et puis surtout, une bonne partie de l'électorat euh, de la République en marche euh, a été siphonné euh, sur euh, euh, le, le parti. Les boomers. Hein les boomers. Ouais, ouais les, les boomers, c'est l'anglais. Oui, les. Ouais, mais. <laughs> Quelle traduction, hey, On quoi. peut pas hey. faire une traduction Les enfants de l'après-guerre, vous voulez les dire. Les enfants de l'après-guerre, écoutez. Oh, attendez, c'est effrayant. <laughs> mais non, mais attendez, vous avez déjà dit à Morbi tout à l'heure, vous. Alors, on est vraiment coupable. Hein. Euh, le cochon vous regarde. Le cochon vous regarde. Alors, on m'a d'ailleurs fait le reproche, je ne sais plus si c'était ici, euh, dans ce, euh, que c'était un cochon noir un cochon noir, ça fait un peu africain. Et pas, et pas, et pas, et, donc, si quelqu'un voulait se dévouer pour nous offrir un cochon rose, ça serait plus occidental. Et si on ramenait un cochon vivant Mais, mais encore, encore, cochons, encore, les cochons mais sont noirs. Faites-nous hein, des, faites des dons sur Tipeee pour qu'on puisse euh, changer. Voilà, alors pour, euh, sur Tipeee ou sur, euh, sur YouTube, faites des dons. Que nous puissions acheter un, un cochon qui soit rose, qui soit plus occidental quand même, bien que les cochons de Corse soient noirs. Et moi, pour moi, un cochon noir, ça me rappelle le Sénégal. Au Sénégal, les cochons sont noirs, euh, pas seulement les hommes. Hein. Euh, donc. Euh, donc euh, attends, alors, du coup, euh, oui. Donc, effectivement, alors c'est un, un grand sujet, et, et c'est pour ça que Christian vanès considérait que les résultats des élections européennes étaient catastrophiques, parce qu'effectivement, si on part du principe que tout ce qui est à gauche de La République en Marche va voter au second tour pour La République en Marche, euh, on ne voit pas comment Marine Le Pen, opposée au second tour, par hypothèse, grâce à cette dualité, ce, ce, cette polarisation réussie par, euh, par Macron, euh, pourrait gagner. Alors il est possible, euh, on l'a dit tout à l'heure, qu qu que, que Macron suscite un tel rejet qu'une bonne partie des électeurs de, de, vraiment de gauche ne s'abstiennent, ou peut-être même par haine de Macron, vote pour Marine Le Pen. C'est un espoir, il faut vivre d'espoir, et l'espoir les, les, c'est que Marine Le Pen réussisse. Dans l'état actuel des choses, les, encore une fois, il peut y avoir en trois ans les choses peuvent beaucoup bouger, il peut y avoir un candidat sérieux qui apparaisse dans la droite euh, dans, dans la droite plus classique. Dans la, dans la situation actuelle, c'est vraisemblablement Marine Le Pen qui sera encore au second tour, et là il faut faire tout pour qu'elle puisse gagner contre Macron. La meilleure chose, évidemment, euh, j'aurais du mal quand même à dire beaucoup de bien de Marine Le Pen, mais euh, je m'assurerais d'en dire du mal, et en revanche, je dirais du mal de Macron parce que ça je le pense très fort. Ou, ou Macron alors, est un traître à la nation. Ou alors faire tout pour que Marine Le Pen parte avant 2022. Et laisse la place à. Euh, à <laughs> D'abord, ça c'est impossible. Ça, ça, Malheureusement, il ne oui. faut pas chercher à, à faire quelque chose qui est impossible. Et puis d'autre part, eh, Bardella est trop jeune. Hein, je ne vois pas mal, mal Bardella gagner contre ouais, Macron. Il, euh, il, il a 23 ans, il aura, 20, il aura 26 ans. Tout est possible, hein, mais. Pff, hein. Je crois qu'il faut lui laisser quand même 50 plus. Il aura 31 ans euh, en 2027. Euh, donc euh, voilà. Hein. <laughs> Bardella est remarquable, hein, honnêtement. Hein. Enfin, vraiment, il, il est. Ben, on est beaucoup plus à droite que Marine Le Pen. Euh, ben, il a vécu en Seine-Saint-Denis. Hein, oui. euh, donc, il sait ce que c'est que l'immigration. Hein. Voilà. Sur le terrain. Une question euh, d'Alox. Rangez-vous René Descartes parmi les subversifs de l'Occident Ah oui. oui, oui. Euh, moi, je, je range René Descartes parmi les subversifs de l'Occident. Ouais. Si vous voulez faire une classification entre les bons et les mauvais dans la philosophie, euh, euh, Platon, c'est mauvais. Aristote, c'est bon. Euh, Saint-Thomas d'Aquin, c'est bon. Euh, de Scott c'est encore mieux, Guillaume de camp, c'est mauvais. Euh, ensuite si on remonte dans le temps, Spinoza c'est mauvais. Euh... René Descartes c'est mauvais, Schopenhauer c'est bon, euh... Nietzsche c'est mauvais. On va penser voilà. euh... Heidegger ce euh... <laughs> c'est bon. Mais j'avoue que là c'est un peu obscur pour moi parce que Guerre c'est dans un langage hermétique en plus il paraît que c'est impossible à traduire de l'allemand comme je ne parle pas allemand euh... voilà, bon, euh... Euh, Sartre c'est mauvais, Heidegger c'est bon. Disons, pour si j'en crois de Heidegger c'est bon. Donc, de Aristote à Heidegger, euh, il y a beaucoup de bons philosophes. Euh, mais en général quand même, si vous voulez, le, la philosophie est quand même subversive. Hein. Que la philosophie repose... J'ai fait une, une vidéo sur la philosophie, hein, je vous signale que vous pouvez regarder, que j'ai appelé le péché cardinal... Le, péché, euh, le cardin... vice de, le, le de la philosophie. Le vice le 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 cardinal, le vice euh, le, le originel de la philosophie occidentale. Le, la simple notion de philosophie est douteuse. La, la vraie philosophie ne se conçoit que subordonnée à la religion. On n'est pas forcé d'avoir la religion, regardez, mais à une religion, à un acte de foi pensé comme tel. Alors que la, la philosophie occidentale prétend partir de la raison. Alors, Aristote est plus raisonnable que, que, que Platon, mais euh, c'est quand même toujours subversif en fait. Euh, et, et alors heureusement, la philosophie a eu assez peu d'influence sur la politique. C'est la religion qui a de l'influence. Et aujourd'hui, euh, la débâcle de la religion donne plus d'écho à, à la philosophie, et pour le malheur de l'Occident. Donc, euh, donc il y a de bons philosophes, mais le mieux, c'est encore de ne pas philosopher. Ou de considérer que la philosophia ancilla theologiae, la philosophie, est la servante, doit être la servante de la théologie. Voilà. Une dernière question, nous arrêtons là Hein oui, je, je regardais juste. Non, parce euh, qu'il faut aller l l hein. Oui. Euh, je vois que Jean Laporte commence à avoir faim. <laughs> à 1h30, Jean Laporte craque. Ça fait plus d'une heure que je craque. <laughs> ah, vous avez des réserves, Jean Laporte. J'ai de bonnes réserves, effectivement. Allez, allez, une dernière question. Alors, une question de Uruta-Douce. Euh, euh, Pourriez-vous détailler la notion d'assimilation, notamment à partir de quel moment peut-on considérer qu'un immigré est assimilé — Le principe est simple. L'assimilé, c'est celui qui devient complètement français pour lui et pour ses descendants, qui ne font pas une communauté séparée. Le terme d'intégration ne veut rien dire. C'est l'insertion. C'est le refus de l'assimilation. Donc euh, l'assimilation, c'est euh, l'italien qui devient complètement français parce qu'il accepte de parler français, il accepte de se reconnaître dans la France, et il abandonne, enfin il abandonne en tout cas, il, il, dit, il se distancie de ses origines lointaines euh, dans, de, de, qui sont dans les pays étrangers. Vous voyez euh, donc alors ce n'est pas forcément le mode de vie ou l'opinion. Ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité. C'est un point essentiel. Hein. Euh... Moïse Éric Zemmour, Moïse Eric Zemmour, parce que vous savez qu'il a dit Éric euh, Eric dans l'état civil Moïse est à la synagogue. Donc Moïse Éric Zemmour, immigré juif algérien, a beau afficher des opinions très nationalistes qu'il ne croit pas en réalité. Enfin d'après moi, euh, il de toute façon même s'il y croyait, il ne serait pas plus français qu'un qu Français de souche cosmopolite, parce que ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité. Oui, c'est ça le point essentiel. Euh, parce que les opinions ça, 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 ça peut se transmettre mais l'hérédité ça se transmet encore mieux que l'opinion hein. euh, donc euh, alors l'assimilation c'est encore une fois c'est rendre euh, un individu euh, comme un français à tel point qu'il devienne indiscernable d'un français euh, et ce qui veut dire que si lui-même étranger n'est pas entièrement assimilé c'est descendant le front pour comprendre la difficulté de l'assimilation, il faut savoir que le peuple du monde le plus proche du nôtre, c'est le peuple italien. Or, les deux tiers des Italiens qui sont venus en France n'ont pas pu s'assimiler, ils sont repartis. Vous voyez Un tiers seulement s'est assimilé. Vous voyez Alors quand vous parlez des, des Maliens ou des, euh, ou des Congolais, euh, vous voyez que les chances d'assimilation sont réduites à pas grand-chose. Est-ce hein. que vous croyez que les Guadeloupéens sont assimilés hein Même quand ils sont métissés on a vu que ça pouvait poser problème. Hein voilà, merci. Alors, chers auditeurs de Radiateur, je ne sais pas très bien ce qui va se passer pour. Euh, si ma prochaine émission en Quartier Libre sera dans deux semaines ou dans quatre semaines, ça dépend de, de la programmation de Radio Athéna euh, que fait Jean Laporte avec Pierre de Tirement et Jules Legrand, euh, avec l'assistance de Thierry Marin, voilà. Euh, moi je veux bien dans, dans, dans deux semaines revenir pour euh, une fois aux questions et dans quatre semaines faire une, une émission sur un, un sujet euh, thématique mais c'est à vous, vous d'en décider de me dire en fonction de, de l'organisation du, du programme je rapporte on va, on va devoir regarder ça il euh, faut voir ça rapidement ouais. hein, c est, c est... enfin mais non pas rapidement parce que euh, de un toute façon dans quatre non. semaines j'aurai une émission probablement sur un livre en tout cas sur un sujet de thématique hein. Euh, mais dans deux semaines, soit euh, c'est quelqu'un d'autre qui fait l'émission. Donc actuellement, nous avons un cycle de quatre semaines à BCD. C'est un système que j'avais créé à Radio Courtoisie, que j'ai gardé pour Radio Athéna. Et donc là, nous sommes en semaine A comme Anatole. Et donc dans deux semaines, nous serons en semaine C comme Caroline. Et voilà. Et donc, euh, donc moi, je veux bien, mais il faut me prévenir un peu à l'avance, euh, faire une, une fois en question. Voilà. La mission fort en question d'il y a deux semaines c'était bien passé Oui, oui très bien. bien. Non, Il y a quatre semaines, pardon. Pas deux semaines, quatre semaines. Et quatre semaines, semaines, quatre semaines. semaines, justement. Bien, alors de... n'oubliez pas, pouce bleu. Et une cloche. Cloche. La cloche tipeee. La conférence. Dont... La conférence du CDH, Et La concepteur. conférence. Alors Oui, alors attention, chers auditeurs de Radio athéna inscrivez-vous. Non, vous n'avez pas besoin de vous inscrire d'ailleurs, on va dire, mais enfin, venez bien à l'heure pour être sûr qu'il y ait de la place. À la conférence euh, du Carrefour de la Horloge, qui a lieu qui a lieu donc au Carrefour de la Horloge, 4 rue de Stockholm. Pareil, huitième. Il euh, y a un code d'entrée que je ne peux pas vous donner publiquement. Y a, y a, y faut, si vous voulez le savoir, il faut regarder sur le, euh, sur, dans le groupe JL, je pense, c'est indiqué. Euh, L'événement. L'événement, c'est indiqué, sur, indiqué sur, sur Facebook, je pense. Hein. Oui. Oui. Euh, sinon, euh, hein. sinon, vous pouvez vous pouvez toute écrire toute sur cdh.fr @cdh et on vous, dira, on vous donnera. De toute façon, vous arriverez en même temps que d'autres, donc ils ont auront, ils auront le code. Mm. Le code d'entrée, je peux peut-être donner une piste. Ça, com ça commence par quatre chiffres qui seront la date de la grande charte. <laughs> mais ensuite, il y a une lettre qui est la première date de l'alphabet. <laughs> bon, j'ai rien dit. Hein. <laughs> euh, et, et donc... Alors, le, non, mais le, honnêtement, franchement, cette conférence est essentielle. C'était la rencontre du jeudi, qui sera présidée peut-être par moi, parce que je crois que Pierre Milan, le secrétaire général, a un empêchement. Et nous invitons Frédéric Lemoal, le professeur Frédéric Lemoal, qui a fait un livre qui s'intitule L'histoire du fascisme. Et le thème de, de, de la conférence, c'est le fascisme, mouvement révolutionnaire qui voulait créer un homme nouveau. Alors je dois dire que Frédéric Lemoral euh, reprend ou développe une thèse que nous avions énoncée nous-mêmes au Carrefour de l'Horloge dans un livre intitulé Socialisme et Fascisme Même Famille. Euh, le fascisme étant une forme de socialisme. Lisez d'ailleurs, pour préparer cette, cette conférence, lisez l'article sur nati.fr ou, ou, ou l'esquin.fr intitulé... Euh, Hitler était socialiste. Hitler était socialiste. Voilà. Euh, vous avez compris euh, le niveau de la désinformation que nous subissons. Hitler était de gauche, il n'était pas de droite, il était socialiste. Merci. C'est bon Oui, euh, merci à tous. Euh... Merci à tous. Alors merci. Attendez, merci. merci à vous, Victoire. Merci à Pierre de Tirement. Euh, merci à Thierry, Thierry Marin. Thierry Marin. Thierry Marin oui. euh, merci à Jules Legrand. Et non, merci, excusez-moi, Jean Laporte. Jean Laporte, on ressemble tellement à Le Grand. Et Jules Legrand. Jules Legrand aussi à distance, nous aide pour oui. les questions. Mais merci à Jules Legrand aussi, qui nous aide pour la distance. Merci à Jean Laporte qui est ici présent. Et merci à Edouard Gaverny qui nous a posé une question et qui est là, et qui va participer à nos agapes. Merci!